test. 1, 2, test. Un petit peu trop fort. OK, je suis correct comme ça. Bonne soirée, mesdames et messieurs, et bienvenue au Centre Gadebois et à ce match de hockey de la Ligue de hockey collégiale masculin, Division 1 du Réseau du sport étudiant du Québec, opposant ce soir les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent au boomerang du Cégep André-Laurendeau. De plus, ce soir, vous aurez droit à une présentation spéciale. Les anciens joueurs de l'an passé, de l'édition 2020-2021, recevront une photo souvenir. Donc, je laisse la parole à la passerelle, au descripteur du match, à Tristan Mac. À toi, Tristan. Merci beaucoup, Marco. Bonsoir, tout le monde. Bienvenue à la web diffusion du match de ce soir. Et Marco, vous l'a mentionné justement, il y aura une cérémonie avant la partie d'aujourd'hui. Oui, pour honorer les finissants de l'année de la saison 2020-21. Mais il y aura également une cérémonie spéciale pour honorer deux équipes masculines championnes du boomerang. D'abord, l'équipe de golf qui a remporté le championnat provincial un peu plus tôt cette saison. Il y a également eu l'équipe là, de rugby qui a été la première équipe collégiale de rugby masculin d'un collège francophone à avoir remporté le championnat. Donc, vraiment, ce sera un match émotif ce soir. Il y aura... les émotions seront palpables. D'autant plus que sur la patinoire, ce sont deux équipes qui ne s'aiment pas. C'est la grande rivalité entre le boomerang d'André-Laurendeau et les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent. Les Patriotes qui ont 13 victoires, 5 défaites à la régulière et 2 défaites en prix d'égalité depuis le début de la présente campagne. Tout va bien du côté des Patriotes. Et du côté du boomerang, eh bien, c'est une fiche de 8 victoires, 11 défaites et 3 revers en prolongation. Ceci étant dit, le duel d'aujourd'hui, ça va être chaud. La parité dans cette ligue collégiale, c'est la beauté de la ligue, en sens où est-ce que n'importe quelle équipe peut gagner contre n'importe quelle équipe, peu importe ce qui arrive dans les matchs. Et aujourd'hui, du côté d'André-Laurendeau, ce n'est pas compliqué. La troupe d'Alexandre Dardenneau se devra non seulement d'être disciplinée, mais devra également là, mettre ses bottines de travail, trouver le moyen de déranger le filet des Patriotes et justement là,
compliquer la tâche de la troupe de Tim Archambault. Et du côté des Patriotes, ce n'est pas compliqué. Ce qui devra être fait, eh bien, c'est de miser sur l'offensive. Les Patriotes ont des excellents joueurs depuis le début de la saison, là, notamment Christopher Séguin, qui a 34 points en 20 matchs depuis le début de la présente campagne. Michael Hébert, 32 points en 20 matchs. Et Gianni Lombardo, là, qui a 28 points en 20 matchs. Ce sont les trois joueurs les plus dangereux du côté des Patriotes du Cégep de Saint-Laurent. Donc, voilà. Dans quelques instants, eh bien, on va entreprendre les cérémonies d'avant-match opposant les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent au boomerang du Cégep André-Laurendeau. Je vous rappelle ce soir, cérémonie spéciale pour honorer les finissants 2021, l'équipe championne de rugby masculin et l'équipe de golf. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour le début de cette partie Patriotes boomerang sur nos ondes, sur la chaîne YouTube d'AL Sport TV. Donc, à tout de suite et je vous laisse là pour la cérémonie d'avant-match. Mesdames et messieurs, le service des sports du cégep André-Laurendeau désire rendre hommage à deux de ses équipes qui ont récemment remporté des championnats. Tout d'abord, l'équipe de golf de l'entraîneur Benoît Lemieux, qui a remporté son 7e championnat provincial en 8 ans et qui a depuis terminé 2e au championnat canadien de l'ACSC. Son représentant pour ce soir sont Simon Ménard, J. Godin, Tommy Bottari, Félix Bouchard, Noémie Potvin, Émeric Djanevich, Antoine Chevalier et Charles Letourneau. L'équipe de rugby masculin a aussi remporté le championnat de la Conférence du Sud-Ouest avec une victoire de 25-24, détrônant ainsi les champions des 19 dernières années, les Highlanders du Collège John Abbott. Sont présents ce soir Jose Liang, Briac Pugman, Nuo Bamba, Maxime Olivier, Eamon Ramaz, Banugopan Sivipatasunta Taram, Raphaël Page, Jules Salvant, Raphaël Blanchette, Adam Aldaidi, Axel Adjaï, Karim Jaldali, Michel Elisev, Hugo André, Clément Osei, Omar McFarlane, Kitona Bishicha, Axel Pinet, Jean-Baptiste Hébert, Ismaël Agounzne, Majeddin Banaouf, Jérémy Ferland, Moustapha Ditchi Montmarquette,
et Michael Duguay. La thérapeute Bianca Sportella et l'entraîneur-chef Kevin Bélouin. Merci, messieurs et mesdames. Le service des sports du cégep André-Laurendeau aimerait aussi rendre hommage à ses finissants de la saison 2020-2021 en hockey masculin division 1 qui n'ont malheureusement pas eu la chance de vivre l'expérience la saison dernière due aux circonstances que nous avons vécues. Pour ce faire, j'inviterai Mme Lynn Perra, technicienne en loisirs au cégep André-Laurendeau, à venir remettre une photo souvenir aux finissants. J'inviterai maintenant les finissants hockey masculin ainsi que leurs parents à venir sur la glace pour recevoir leurs photos souvenirs. Tout d'abord, de Coteau-du-Lac, étudiant en sciences humaines, profil administration et co-capitaine, Lucas Châtelain. De Granby, étudiant en technique de comptabilité et de gestion et co-capitaine, Zachary Labrie. De Châteauguay, étudiant en sciences de la nature, Félix Delisle. De Lachine, étudiant en sciences de la nature, Lewis Mercier. De Laval, étudiant en sciences humaines, profil administration, Sean Ferland. De Lachine, étudiant en sciences humaines, profil individu, Christopher Duchesne. Et de La Salle, étudiant en sciences humaines, société et monde, Xavier Blais.
Bonne chance à tous nos finissants dans leur carrière scolaire et sportive et dans leurs projets futurs. Le service des sports et le cégep André-Laurendeau désirent aussi accueillir et remercier ses précieux partenaires. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir pour la mise au jeu officielle nos partenaires de l'arrondissement du sud-ouest de Montréal ainsi que le nouveau partenaire des casques des joueurs et des joueuses des équipes de hockey du Boomerang, Sticky Media. J'inviterai maintenant pour les accueillir le directeur général du cégep André-Laurendeau, M. Claude Roy. Le directeur de la vie étudiante, M. Christian Laberge. Le responsable des sports, M. Claude Morin. Le technicien en loisirs, M. Simon Lapointe. Le fondateur de l'équipe de hockey du Boomerang, M. Dino Massanotti. De l'arrondissement du Sud-Ouest, le chef de section sport et installation, M. Jean-François Ariano Lortie. Le chef de division, M. Marc-Antoine Dionne. De Sticky Media, le président, M. Steve Conroy. Et le directeur des ventes et alliances stratégiques, M. Vincent Bonanno. J'inviterai maintenant les deux capitaines au centre de la glace afin d'effectuer la mise au jeu protocolaire, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, veuillez maintenant vous lever, retirer chapeaux et casquettes et vous joindre à M. Éric Maillet pour l'interprétation de l'hymne national. Thank you.
Alors, voilà, tout est en place pour ce duel. Des belles cérémonies avant la rencontre d'aujourd'hui. Et maintenant, c'est la place aux hostilités pour ce duel Boomerang-Patriote. Le match de ce soir. Les arbitres, M. Alexandre Dastou et Jonathan Lefrançois. Les juges de ligne, M. Félix Langlois et Jean-Sébastien Beaupré. Marqueur officiel et webmarqueur, Sébastien Beaudoin. Sur ce, mesdames et messieurs, bon match! Alors, les deux gardiens de but qui s'affrontent aujourd'hui, tout d'abord du côté des Patriotes du Cégep de Saint-Laurent, eh bien, c'est Aymeric Baribeau qui sera devant la cage de Tim Archambault. Et du côté d'André-Laurendeau, là, je me demande si c'est Émile Lessard ou Antoine Dubourg-Vandal. Là, on verra ça dans quelques instants. Alors que le personnel d'entretien de l'amphithéâtre... Voici maintenant les éléments partants. Pour le match de ce soir, pour les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent, gardant les buts, le numéro 33, Aymeric Barbeau. Le numéro 4, Xavier Laurent. Le numéro 8, Adriano Lombardo. Le numéro 10, Christopher Séguin. Le numéro 22, Michael Hébert. Et le numéro 26, Thomas Turgeon. Pour le boomerang du Cégep, André-Laurendeau, de l'entraîneur-chef Alexandre Dandeneau, gardant les buts, le numéro 31, Émile Lessard. Le numéro 5, Michael Lavallée-Gravel. Le numéro 8, Loïc Bachand. Le numéro 13, Félix Ferland. Le numéro 16, Isaïc Deveau. Et le numéro 27, Julien Arsenault. Bon match, mesdames et messieurs. Alors, c'est parti pour ce duel. Et la foule qui se fait déjà entendre alors que le boomerang à la rondelle, Deveau qui l'envoie de l'autre côté. Et c'est Bachand qui va dégager en territoire central. Ça revient vers Arsenault qui tente de pousser un peu plus loin. Et finalement, là, ça revient vers Turgeon qui va poser la rondelle en territoire central. Bachand va dégager à l'autre bout. Et ce sera maintenant Turgeon qui a la rondelle. Turgeon qui prend son temps derrière le filet, l'envoie devant lui vers Lombardo. Lombardo qui prend son temps de l'autre côté. Longue passe à Davy là, sur le patin de son coéquipier Lachapelle. Rondelle qui se retrouve derrière la cage de Lessard. Lavallée-Gravel qui est là, qui se fait soutirer le disque. Et là, on s'installe là, du côté des Patriotes. Lombardo qui a la rondelle. Lombardo prend son temps. Il va d'un tir-bas, ça a été bloqué. Rondelle qui se retrouve dans le coin. Et finalement, c'est Séguin qui a la rondelle. Va laisser le long de la rampe. Et là, c'est le numéro 8, là, Lombardo, qui a encore la rondelle. La passe en direction de Séguin qui n'a pas pu tirer. Et là, ça revient vers Deveau qui va laisser la rondelle en territoire à la ligne bleue et les Patriotes qui parviennent à rentrer avec Jacob qui va pousser un peu plus loin. Arsenault qui est là. Arsenault se fait soutirer le disque. Ça revient vers Bachand qui n'a pas pu réceptionner. Et là, les Pats là, qui tentent de s'installer avec Gagné la passe vers le filet. Et cette fois-ci, c'est Ducharme qui a la rondelle. Ducharme prend son temps. Il va d'un tourniquet. La passe depuis l'arrière du filet. Un tir qui a été bloqué sur l'extérieur du filet. Ça revient vers Jacob qui a été bousculé le long de la rampe. Et là, c'est la bataille pour la rondelle derrière la cage de Lessard. Deveau qui va laisser la rondelle dans le coin. Ça revient là, vers Bachand pour Ferland qui va sortir. Et ça revient vers Gagné. Gagné maintenant qui s'amène en entrée de territoire. Gagné laisse derrière lui. Un tir de Jacob qui a été bloqué. Un retour devant. Et rondelle qui s'en va dans le coin là avec Gagnon qui est là. Finalement, ça revient vers Guy qui fait un retour au jeu aujourd'hui. Et Giguère qui va s'amener à l'attaque. Giguère s'amène. La passe devant en direction de Plante. Ça n'a pas fonctionné. Et cette fois-ci, ça va être la sortie de Gagné qui se fait soutirer le 10. La passe devant vers Giguère. La fête! Et c'est l'arrêt! Alors, une première bonne chance de marquer ce soir. Et là, c'est Plante qui a la rondelle. Plante derrière le filet. Il s'est fait accrocher. Et le boomerang ira en avantage numérique pour débuter le match d'aujourd'hui. Alors, lorsqu'on regarde là, les statistiques depuis le début de la présente campagne du côté d'André-Laurendeau, eh bien, c'est un taux d'efficacité de 18 % d'avantage numérique. Et le désavantage numérique des Patriotes qui est autour des 80 %. Alors, c'est une bonne occasion dès le départ là, pour le boomerang de peut-être pouvoir s'inscrire au pointage. Là, Laramie qui envoie un peu plus loin, ça revient vers Cousam. Au Patriote numéro 18, Edouard Enfield. On annonce la pénalité.
Et là, Rondel qui se retrouve derrière le filet. Là, Turgeon qui est là. Finalement, c'est Laurent qui va laisser devant. Huot laisse pour Laramé. Laramé qui s'installe. La passe devant le filet. Un tir et c'est Laramé. Le but! Le boomerang qui s'inscrit au pointage en avantage numérique. Et c'est 1-0. Alors, dès le départ, le boomerang qui a menacé le filet. Et le gardien Barbeau, là, qui n'y pouvait rien sur cette séquence, il était déjà étendu de tout son long. Et je pense que c'est Julien Prévost qui a inscrit ce but. On attendra la confirmation de Marco Veillette. Mais une chose est certaine, c'est 1-0 boomerang dès le départ. Le but du boomerang a été compté par le numéro 11, Justin Cousam. C'est Justin Cousam qui a marqué ce but. Avec l'aide du numéro 27, Julien Arsenault. Et là, attention, Giguère qui va s'amener. Seul, Giguère s'amène le tir et ça a été bloqué. Et du numéro 24, Julien Prévost. Le temps du but, 2 minutes 49 secondes, but compté en avantage numérique. Cousam de Arsenault et Prévost à 2,49 en avantage numérique. Alors, très bon début de match là, pour le boomerang avec Deveau qui s'amène dans le territoire des Patriotes. Ça va être récupéré cette fois-ci là, par Binette. Binette qui se fait frapper dans le coin. Binette qui a toujours la rondelle toutefois. Binette qui laisse le long de la rampe et ça sera pour Dulude qui a laissé la rondelle en territoire central. Ça revient vers Deveau. Deveau maintenant qui a le disque. Deveau prend son temps. La passe de l'autre côté, c'est trop long pour Vachon. Et ça sera refusé contre le boomerang avec 15 minutes 59 à jouer à cette première période. Et un message du côté d'André Laurendeau, un plan de match là, du côté d'André Laurendeau, c'est de profiter de l'avantage des partisans. Là. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Alors le boomerang qui voudra là, se mettre les partisans de son côté. Jacob qui a la rondelle. Jacob qui s'est fait plaquer. Finalement, là, ça va être la sortie qui est bloquée en territoire central par Binette qui s'est fait soutirer le disque. Fauché qui va dégager à l'autre bout. Et ce sera Barbeau qui va laisser pour Hébert. Hébert qui prend son temps le long de la rampe. Ça devient un dégagement à l'autre bout. Et cette fois-ci, c'est refusé contre les Patriotes. Alors, j'ai bien hâte de voir... quelle sera la suite de cette rencontre? Le boomerang qui connaît un bon début de match. Mise en jeu qui sera jouée là à la droite du gardien de but des Patriotes. Plante qui est à la mise en jeu contre Séguin. Et c'est Lombardo qui a dégagé à l'autre bout. Ça sera récupéré par Haché. Haché pour Plante derrière lui en direction de Thomasin qui va s'amener à l'attaque. Thomasin prend son temps, l'envoie à Giguère. Giguère qui s'amène, un tir! Ça a été bloqué et la rondelle s'est retrouvée à l'extérieur de la surface glacée. Et ça n'ira pas plus loin avec 15-18 à jouer à cette première période. Toujours 1-0, le boomerang qui mène grâce à Justin Cousam qui a inscrit un but là, tôt dans cette rencontre. La vallée qui Gravel qui rapporte la mise en jeu. Un tir d'Arsenault qui a été bloqué. Rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Et cette fois-ci, là, c'est Deveau qui laisse le long de la rampe. Et ça revient là, vers La Chapelle qui renvoie le disque en territoire du boomerang. Et cette fois-ci, là, c'est McKenna qui va d'un tir bien bloqué par Ferland. Rondelle qui se retrouve dans le coin. Là. Et finalement, là, c'est la vallée Gravel qui se fait pousser. C'est récupéré par Trudeau qui renvoie vers Arsenault. Un dégagement à l'autre bout. Et ça sera refusé contre la troupe d'Alexandre Dardenneau. Avec 14-42 à jouer à ce premier engagement.
Mise en jeu qui a été remportée par les Pats. Là, ça revient vers Gagnon dans le coin. Gagnon laisse pour gagner une passe devant le filet. Et finalement, ça a été coupé. Ça revient vers Gagnon qui rate son lancer. Et Laurent qui récupère la rondelle à la ligne bleue. Et le boomerang qui va tenter de gagner le disque. Gagné qui est là. Gagné laisse le long de la rampe. Gagnon de l'autre côté pour Turgeon. Turgeon prend son temps. La passe, c'est imprécis. Ça revient vers Laurent toutefois, qui a laissé pour Julien Arsenault, qui va dégager à l'autre bout. Avec 14 minutes à jouer à cette première période, toujours 1-0, le boomerang qui mène. Et Gagnon là, qui a laissé la rondelle pour Ducharme. Ça revient toutefois vers Laramie, qui a envoyé vers ses défenses. Et Bachand qui va laisser la rondelle interceptée par Gagnon. Et, et les Patriotes qui vont dégager à l'autre bout. Alors, du bon travail en défensive, là, en zone neutre là, du côté d'André-Laurendeau pour ne pas laisser les Patriotes s'amener à l'attaque alors que c'est Laramie qui a la rondelle. La passe en embouchure du filet, ça n'a pas fonctionné. Un dégagement des Patriotes à l'autre bout. Et finalement, ça sera l'intervention là, de Lessard pour Deveau. Deveau qui prend son temps. Deveau vers Bachand. De l'autre côté, cette fois-ci, c'est Laramie qui a la rondelle. Laramie prend son temps. Il va d'une feinte tenter de rejoindre Kouzam. Ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est la contre-attaque là, des Pats avec Dulude qui rentre en territoire adverse. Un tir qui a été bloqué. Cette fois-ci, ça provenait de Miraldo. À la ligne bleue maintenant, un tir de loin encore une fois. Là. Et cette fois-ci, ça provenait de Lombardo. Et Lessard qui n'a absolument rien donné. Et ça n'ira pas plus loin. Et quand même assez particulier, là, Tim Marchambault, c'est son premier match à titre d'entraîneur-chef contre le Boomerang. Lui qui a joué pour le Boomerang pendant deux saisons. Il y a de cela environ 5 ou 6 ans, là. Rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Et finalement, c'est Plante qui saisit la rondelle, laisse le long de la clôture. Ça revient vers Turgeon qui va dégager à l'autre bout. Et c'est récupéré par Gay qui a échappé le disque toutefois. Lombardo qui est là. Lombardo prend son temps. Un tir de Laurent qui rate le filet. Un retour, un rebond devant. Un tir qui rate complètement le filet. Et en même temps, il y a eu déviation là, plus haut que la hauteur permise. Et donc, l'arbitre a sifflé l'arrêt du jeu. Avec 12-27 à jouer à cette première période. Les enjeux là, gagnés par les Patriotes. Un dégagement de Turgeon qui dévie sur le bâton là, d'un des joueurs du boomerang. Ça revient vers Trudeau derrière son filet. Une passe interceptée. Un tir de Séguin qui a été bloqué. Beau travail d'Émile Lessard qui a réparé l'erreur de son coéquipier. Et aussitôt, c'est la contre-attaque. Attention, Vachon qui s'amène. Et l'intervention du gardien Barbeau qui a dégagé à l'autre bout. Il a empêché une échappée de Vachon. Trudeau maintenant qui a la rondelle. Trudeau prend son temps. Laisse devant lui là, en direction de Fauché derrière pour Prévost. Et Lombardo qui a chuté en territoire central. Là, ça revient vers Fauché qui va dégager à l'autre bout. Récupéré cette fois-ci par McKenna qui a été bousculé derrière le filet. Alors on sent déjà un jeu intense là, entre les deux formations ce soir. Et là, c'est Hanfield là, qui va dégager à l'autre bout. Ça sera récupéré par Lessard. Lessard qui laisse le long de la rampe en direction de Prévost. Prévost pour... Prévost prend son temps. Laisse en direction de Fauché, intercepté par les Patriotes toutefois. Un tir et c'est le but! Un tir de Tom Burnell, le numéro 47, là, qui a intercepté un revirement du boomerang. Et sur cette séquence, Émile Lessard aurait peut-être aimé revoir ce tir qui a passé littéralement là, sous ses jambières. Et maintenant, c'est l'égalité 1-1. Alors, on a droit à un nouveau match maintenant, 1-1. La Vallée-Gravelle à la mise en jeu contre Gagné.
C'est remporté là, par le boomerang avec Bachan. Le Olivier Patriot est compté par le numéro 37, Tom Burnett, avec l'aide du numéro 23. L'Arabie qui va d'un tir, ça rate le filet. Marcon Dumoulin, le temps du but. 8 minutes 39 secondes. Burnett de Dumoulin à 8:39. Et là, c'est Gagnon là, qui tente un tir. Ça a été bloqué. Ça revient vers Ducharme. La Vallée Gravel qui est là. La Vallée Gravel prend son temps. Et là, le boomerang qui va s'amener à l'attaque là, avec Ferland qui va rendre la rondelle au filet adverse. Un dégagement cette fois-ci des Patriotes. Et ça sera refusé contre la troupe de Tim Archambault avec 10:36 à jouer à cette première période. 1-1 la marque. Les enjeux qui sera joué là à la droite du gardien de but Barbeau. Les enjeux qui a été gagné par le boomerang, le Gay qui va laisser la rondelle devant. Attention, Huot qui tire, ça a été bien bloqué. Ça revient cette fois-ci sur Kouzam pour Laramé. Laramé à la ligne bleue, là, c'est Haché qui a poussé, qui a appuyé l'attaque et malheureusement Laramé qui n'a pas pu continuer le jeu. Un dégagement de Gay cette fois-ci, intercepté là, par Huot qui laisse la rondelle derrière la cage des pattes. Huot qui est là. Tente de rejoindre un coéquipier. Finalement, ça revient vers Ducharme qui va dégager. Et ça sera récupéré là par le boomerang dans son territoire avec Raphaël Guy qui est là. Guy qui est bien surveillé toutefois là dans le coin. Et là, c'est la bataille pour la rondelle. Cette fois-ci, Laramé qui a la rondelle pour Huot. Huot qui renvoie devant. Et là, il y aura une pénalité contre les Patriotes. Et ce sera Tristan Dulude qui sera chassé pour avoir accroché. Le boomerang retournera en avantage numérique. Avec 9:41 à jouer à cette première période. Les enjeux gagnés par le boomerang, là, ça revient à la ligne bleue. Le tir de plante qui rentre le filet. La punition au Patriote au numéro 14, Tristan Dulude. 2 minutes pour avoir accroché. Le temps de la punition, 10 minutes, 19 secondes. Dulude pour avoir accroché à 10-19. Bachan pour Giguère. Giguère maintenant, la passe transversale, la plante. Qui va d'un tir? Ça a été bien bloqué. Ça revient cette fois-ci vers Giguère pour Bachan à plante. Transversale en direction de Giguère. Ça n'a pas fonctionné. Dégagement des Patriotes à l'autre bout. Et les Pats là, qui avaient bien vu la ligne, les lignes de passe du boomerang. Et là, c'est Giguère qui a touché à la rondelle du revers. Les Patriotes ont pu récupérer pour un dégagement. Et cette fois-ci, c'est Bachan qui a la rondelle derrière sa cage. Bachan laisse pour Plante de l'autre côté à Giguère qui va s'amener à l'attaque. La passe à Deveau. Deveau, il va d'un tir. Oh, ça rate le filet. Ça revient cette fois-ci sur Giguère qui prend son temps avec la rondelle. Giguère s'amène. Il va d'un tir. Ça a été bloqué. Ça revient vers Plante pour Prévost. Prévost qui s'amène. La passe à Giguère au cercle. Giguère, il va d'un tir. Cette fois-ci, bloqué encore une fois. Et la rondelle qui s'est retrouvée à l'extérieur de la surface glacée. Le boomerang qui tente de menacer encore une fois le filet de Barbeau. Et sur cette séquence-là, c'était Giguère qui était là avec Deveau et Thomasin notamment. Mise en jeu gagnée par Arsenault. Là, Laramé qui a la rondelle. Laramé prend son temps. Laisse à Prévost. Prévost qui tentait de rejoindre Laramé, mais Séguin avait bien surveillé la ligne de passe. Ça revient à Prévost là, en territoire central. Une passe interceptée par Gagnon. Gagnon qui va dégager du revers à l'autre bout. Et ça sera récupéré par Séguin. Séguin qui est bien surveillé. Là, beau travail en repli défensif de la part de Cousin. Mais là, cette fois-ci, c'est la contre-attaque d'Arsenault. Arsenault tente de rejoindre Huot. Ça ne fonctionne pas. Ça revient vers Séguin. Séguin va dégager à l'autre bout. Alors qu'il va rester maintenant une douzaine de secondes à la pénalité de Dulude. 7:50 à jouer à cette première période. La marque 1-1 dans ce match. Laramé qui s'amène à l'attaque maintenant. Laramé s'amène. Laramé prend son temps avec le disque. Envoie la ligne bleue. Prévost qui a la rondelle maintenant. Prévost la passe devant le filet. Huot, leur tir de Laramé. C'est bloqué. Le retour de Weiss. C'est le but!
Julien Arsenault sur un retour de lancer. Et c'est maintenant 2-1. Le boomerang qui reprend les devants. Et tout ça avec le travail de Huot, Kouzam, Prévost et leur ami. Une bonne circulation de la rondelle. Du beau travail pour forcer le 2 ou 3e retour là, du gardien de but. Et par la suite, Julien Arsenault qui va compléter la séquence et qui va redonner les devants au boomerang avec 7,35 pardon, à jouer à ce premier tiers. Le but du boomerang est compté par le numéro 27, Julien Arsenault. Attention, la ramée Senneville s'amène. Un tir et c'est bloqué. Avec l'aide du numéro 9, Simon Laramée. Et du numéro 24, Julien Prévost. Le temps du but, 12 minutes 25 secondes. Arsenault de Laramée et Prévost à 12-25. Et là, il y a une autre pénalité contre les Patriotes. Cette fois-ci, c'est Lombardo qui sera chassé. Et là, le boomerang retournera en avantage numérique. Là, c'est un mauvais début de match là, du côté des Patriotes. 3 pénalités. Le deuxième avantage numérique là, des Pats qui avait donné du momentum à l'équipe d'Alexandre Dardenneau pour marquer son second but. La punition aux Patriotes au numéro 33, Émeric Barbeau. 2 minutes pour avoir retardé la partie. Le temps de la punition, 12 minutes 45 secondes. La punition sera servie par le numéro 8, Adriano Lombardo. Barbeau pour avoir retardé le match à 12-45, servi par Lombardo. Rondelle qui se retrouve dans le coin, là. C'est la bataille pour le disque. Ça revient vers Arsenault pour Laramie. Laramie tire frappé, ça a été bloqué. Un retour d'avant. Et est-ce que les Patriotes saisissent la rondelle? Oui, ils vont dégager à l'autre bout. Alors qu'il va rester maintenant 1-15 à la pénalité de Barbeau. 6-27 à jouer à cette première période. Prévost qui a la rondelle maintenant. Prévost qui va s'amener. Prévost laisse pour Plante. Plante qui pose la rondelle derrière les joueurs des Patriotes. Ça revient vers Laramie. Laramie à Plante. Plante qui prend son temps. L'envoie vers Bachand et passe qui a été coupée. C'est récupéré toutefois par Plante pour Bachand, pour Giguère. Une passe en direction de Plante. Ça se retrouve sur la palette là, de Deveau pour Bachand. Bachand à Deveau. Deveau pour Giguère maintenant qui va s'amener à l'attaque. La Giguère s'amène avec vitesse. La passe devant le filet. Un tir! Ça a été bloqué. Ça provenait de Thomasin là. Et c'est Bachand pour Giguère. Giguère, la passe devant. Le tir de Thomasin qui rate le filet. Et rondelle qui a été déviée là, dans les hauteurs de l'amphithéâtre. Et ça n'ira pas plus loin. Avec 28 secondes restantes à l'avantage numérique du boomerang. 5-42 à jouer à cette première période. Le boomerang qui connaît une excellente première période. Qui a largement le contrôle là, de cette partie-là. Rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Ça revient vers Plante. Plante maintenant qui a la rondelle là, devant lui pour Giguère. Qui ramène la rondelle vers Plante pour Giguère. Giguère maintenant au cercle. Une passe transversale qui a été déviée. C'est récupéré là, par Thomasin pour Deveau. Deveau la passe devant un tir de Giguère qui a été bloqué. Et le filet qui a quitté ses amarres. Et ça n'ira pas plus loin. Avec 5 minutes 20 à jouer à cette première période. Alors, le boomerang qui connaît une excellente période, des bonnes chances de marquer du trafic devant le filet de Barbeau. Mise en jeu là, à la droite de Barbeau. La vallée Gravel au cercle pour le boomerang. C'est remporté par celui-ci, là, Arsenault, qui renvoie la rondelle à la ligne bleue pour Haché. Tir frappé, dévié à l'extérieur. C'est récupéré cette fois-ci par qui? La passe devant, c'est dévié. Est-ce que ça sera récupéré par le boomerang? Non, c'est les Patriotes qui vont s'amener à l'attaque, là, avec justement un gagné qui a été bien surveillé. C'est récupéré par Ferland. Le long de la rampe, là, ça revient vers
Ducharme dans le coin maintenant. Gagné, une passe devant. Gagnon qui était bien surveillé. Gagnon qui a pu renvoyer la rondelle derrière le filet. Toutefois, Haché qui récupère pour Arsenault. Et le boomerang là, qui va s'amener en contre-attaque avec Ferland. Ferland qui rentre la passe à Haché maintenant. Haché qui s'amène au cercle. Haché une fois, deux fois et le but! Quel bon but de Joey Haché! Quelle manœuvre de Joey Haché! Et c'est 3-1! Son premier but au niveau collégial pour le défenseur. Et le boomerang qui double son avance. C'est 3-1 avec 4:36 à jouer à cette première période. Et Tim Archambault qui vient de demander son temps d'arrêt. Temps d'arrêt Patriote. Le but du boomerang a été compté par le numéro 3, Joey Haché. Avec l'aide du numéro 13, Félix Ferland. Le temps du but, 15 minutes 24 secondes. Haché de Ferland à 15-24. Alors voilà, on vient de confirmer le troisième but du boomerang. Qui a été marqué par Joey Haché. Son premier but au niveau collégial. Mise en jeu là, qui a été gagnée par le boomerang. C'est Huot qui va s'amener à l'attaque. Huot rentre dans le territoire adverse, applique les freins, prend son temps. Tente de rejoindre la ramée, ça ne fonctionne pas. Huot récupère toutefois la rondelle. Et cette fois-ci, là, c'est Dulunde qui s'amène à l'attaque là, avec la coursière. La passe vers un coéquipier, ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est le boomerang qui s'amène en contre-attaque là, avec Huot pour Laramé qui laisse aller la rondelle dans le territoire adverse. Et les Patriotes là, qui ont la rondelle. Dulude qui est là. Huot qui voit sa rondelle interceptée. Et c'est la coursière qui va poser la rondelle derrière Deveau. Deveau qui récupère la rondelle, laisse pour Kouzam. Kouzam de l'autre côté, là, en direction de Huot qui va s'amener en contre-attaque. Une feinte. Huot laisse la rondelle derrière le joueur adverse. Là, et c'est une poussée du boomerang là, avec Huot. Huot est bien surveillé. Là, il y aura une pénalité. Et les Patriotes étaient 6 joueurs sur la patinoire. Et les hommes de Tim Archambault retourneront en désavantage numérique. Avec 3 minutes 25 à jouer à cette première période. Le boomerang qui mène 3-1. 1-3 ce soir en avantage numérique depuis le début de la première période. Et bien là, c'est une pénalité là, stupide là, de la part des Patriotes. La punition aux Patriotes. Un manque de concentration totale. Par 3 joueurs sur la patinoire. Le temps de la punition, 16 minutes 35 secondes. La punition sera servie par le numéro 48, Émile Lacourcière. Lorsque des situations comme ça surviennent là, du côté de l'adversaire qui tire de l'arrière, c'est simple. C'est un manque de concentration. Un manque de discipline là, depuis le début de la partie pour les Patriotes. Là. Giguère en direction de Deveau, transversal en direction de Huot au cercle, là, dans le coin, avec Thomasin qui est là. Huot qui a la rondelle. Plante Thomasin, pardon. Deveau également. Bataille pour la rondelle gagnée par le boomerang. Le Thomasin, la passe devant le filet. C'était en direction de Giguère, ça n'a pas fonctionné. Et là, aussitôt, c'est la contre-attaque. Attention, là, repli défensif de Barchamp. Beau travail. Et c'est
Giguère maintenant qui a la rondelle. Giguère prend son temps pour Bachand en direction de Plante. Plante à la rondelle vers Bachand qui va s'amener à l'attaque. Bachand, une passe qui a été coupée et aussitôt là, peut-être une contre-attaque de Dulude qui a été bien surveillée toutefois. Dulude qui a la rondelle, un dégagement à l'autre bout. Et ça sera récupéré par Lessard qui laisse le disque le long de la rampe. Et Devaux qui renvoie le disque pour Plante. Plante en direction de Laramé. Laramé qui est bien surveillé à la ligne bleue. Un dégagement à l'autre bout. Et cette fois-ci, c'est Kouzam qui a la rondelle. Kouzam. L'envoie vers ses coéquipiers. Là, c'est l'entrée de Arsenault. Une passe à Laramé devant le filet maintenant. Et finalement, rondelle qui se retrouve derrière là avec Plante qui est là. Kouzam également. Huot, qui gagne la rondelle. L'envoie à la ligne bleue. Prévost qui est là. Prévost pour Laramé. Laramé à Prévost. Un tir de Prévost, ça a été bloqué. Un retour devant, bien bloqué. Ça provenait d'Arsenault. Et c'est récupéré là, par Laramé. Et Jacob qui renvoie la rondelle de l'autre côté. Un dégagement en territoire central. Et cette fois-ci, c'est récupéré par Huot pour Laramé. Et le boomerang là, qui voit d'un jeu, c'est récupéré par Gagné. Une passe devant qui a été bien bloquée. Oh, et rondelle qui était bondissante vers les jambières du gardien de but, Lessard, qui n'a pas laissé la rondelle aller dans le filet. ...56 secondes à jouer en cette première période. Mise en jeu à la gauche de Lessard. Et c'est le boomerang là, qui remporte la rondelle avec Vachon. Vachon laisse derrière. Guy qui est là. Miraldo qui gagne la rondelle. Miraldo tente une passe d'avant. Hébert qui s'amène. Un tir bien bloqué. Un, deux. Un retour qui a été bloqué. Ça revient à la ligne bleue. Un tir de loin qui rate le filet. Et finalement, la rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Guy qui est là. Gay. L'envoie derrière. Haché qui touche au disque. L'envoie pour Senneville. Senneville maintenant tente de mettre la rondelle derrière Laurent. Et finalement, c'est l'interception de Séguin pour Lombardo. Lombardo s'amène. Il va d'une feinte. Un tir, ça a été bloqué. Un retour qui rate le filet alors qu'il va rester une dizaine de secondes à jouer à cette première période. Turgeon qui est là. La passe interceptée par Gay qui va lober le disque à l'autre bout. Ça ne sera pas refusé. Et c'est ce qui mettra un terme à cette première période. Le boomerang qui mène 3 à 1. Quelle belle période de jeu du côté d'André-Laurendeau qui a dominé cet engagement. D'autant plus que les Patriotes ont eu énormément d'indiscipline depuis le début du match. Alors, je vous fais un sommaire de cette première période. D'abord, à 2,49 en avantage numérique, Justin Kouzam qui va compléter un retour de lancer sur des passes de Julien Arsenault et de Julien Prévost. Par la suite, à 8,39, Tom Burnet qui va inscrire son 6e but de la présente campagne sur une passe d'Hugolin-Marcon. Et donc, la marque était 1-1. Ensuite, 12-25, Julien Arsenault, son 3e de la présente campagne, sur des passes de Simon Laramé et de Julien Prévost. Et par la suite, à 15-24, Joey Haché, qui va inscrire son 1er but de la saison sur une passe de Félix Ferland. Donc, la marque après 20 minutes de jeu. Boomerang 3, Patriotes 1. On va se retrouver là dans environ une douzaine de minutes pour la 2e période de ce match. Restez là.
Alors, nous sommes de retour pour cet entracte et cette fois-ci, on a Lynn Perra, technicienne en loisirs du cégep André-Laurendeau et Noémie Allé, qui est également là, dans l'équipe. Bonsoir, mesdames. Fait que, donc, Lynn, d'abord, comment tu trouves, là, comment tu as trouvé ça, les cérémonies avant le match de ce soir? C'était vraiment bien. C'est le fun de revoir les anciens. Tantôt, je les avais pas vus. Puis de savoir qu'ils ont fait du sport, puis maintenant, ils sont rendus à l'université ou ailleurs. C'est vraiment bien. Puis ils étaient contents de recevoir leur souvenir du boomerang. C'était vraiment intéressant. Puis la mise au jeu, c'est toujours le fun des cérémonies comme ça. Puis parle-nous justement de l'équipe de rugby qui a été honorée là, avant le match d'aujourd'hui. Un championnat tout simplement incroyable de leur part. Hey, malheureusement, j'ai manqué le dernier match, mais je les ai suivis au courant de la saison. Ils sont vraiment, vraiment bons. C'est une belle équipe. Il y a eu malheureusement beaucoup de commotions cette année. Il y en a un qui a été gravement blessé, puis l'équipe a été derrière lui, puis c'était vraiment intéressant. Puis on était en contact avec son père, qui nous donnait des nouvelles. Fait que c'était vraiment une belle équipe, ils sont gentils, ils ont travaillé fort. Puis Kevin, l'entraîneur, il a vraiment fait un travail excellent avec l'équipe. Puis parle-nous justement de combien gros était ce championnat-là, parce que c'était la première fois depuis 20 ans, là, une première dans l'histoire, là, qu'un collège francophone remporte le rugby collégial. Ça, c'est tout un exploit. Puis moi, ça fait longtemps que je suis au cégep. Puis on le dira pas, mais ça fait 35 ans. Oui, ma retraite arrive bientôt au mois de février. Ça sonne un petit bout. Puis l'équipe, ça fait quand même pas si longtemps qu'ils sont là, mais tu sais, on est parti vraiment à zéro, puis de se rendre là. Puis c'est arrivé des fois qu'on a failli les battre, mais on l'a jamais fait. Puis qu'on fait nos réunions, c'était comme il faut choisir l'équipe qui va recevoir le championnat, puis c'est toujours bas. C'est John Abbott, tout le temps John Abbott. C'est ça, il gagne. Puis c'est bizarre parce que l'an passé, aux réunions, ils ont demandé qui voudrait recevoir peut-être l'année prochaine. Oui. Puis même si je suis pas là, j'ai dit bien peut-être André-Laurendeau. Puis le hasard a fait qu'on a gagné. Fait que probablement que l'an prochain, on va recevoir la finale de rugby. Moi, j'ai ça à mes successeurs. Oui. Là, mais, Puis Lynn, ça fait 35 ans que tu es au cégep. Oui. De quoi es-tu le plus fier de toutes ces 35 dernières années-là? Ouf, ça en est passé des choses en 35 ans, mais j'avoue que moi, ce qui me touche beaucoup, c'est le monde, les athlètes, mon équipe de travail, le monde du sport. C'est vraiment un milieu de fun. Le sport, c'est la joie, c'est la santé. Même s'il y a des blessures, c'est quand même la santé. Puis c'est ça qui m'a manqué beaucoup, les athlètes, être en gang, c'est un beau milieu, là, c'est mieux. En tout cas, moi, j'aime mieux ça que travailler dans un hôpital. Là. Oui. Les autres, je relève ma main parce que c'est quand même pas évident. Oui. Mais tout ça, les anecdotes qui sont arrivées, il en est arrivé des bons, des moins bons, mais c'est vraiment... Moi, je me souviens surtout du monde qui ont passé au cégep. Puis parle-nous justement de l'évolution des Titans au boomerang, parce que tu étais là dans les deux périodes. Là. Oui, bien les Titans, dans le temps, c'était différent parce que... Souvent rendu au mois de février, janvier, quand une équipe était pour faire les séries, on disait aux étudiants, inscris-toi au cégep, viens pas à tes cours, c'est pas grave, on s'en va en série, viens dans les finales avec les autres. C'est le contraire aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, faut que tu passes tes cours, puis sinon tu peux pas rejouer la session d'après. Mais c'est ça aussi qui a tué le hockey. C'était rendu que c'était n'importe qui arrivait, qui allait pas à ses cours, il faisait l'équipe, fait que ça avait vraiment pas de bon sens. Fait que là, on a reparti une ligue, là, les règlements sont vraiment sévères. Puis, fait que là, ça fait des étudiants athlètes qui doivent passer leur cours. La réussite scolaire est vraiment importante. Fait que ça a évolué, c'est bien. C'est vraiment le fun. Félicitations, Lynn. Et maintenant, on va passer le casque à Noémie Allé, qui est celle là, qui prendra ton rôle au cours des prochains mois, là, lorsque tu quitteras vers la retraite. D'abord, Noémie, comment tu trouves ça là, d'être ici présent ce soir là, pour le match de hockey? Je suis vraiment contente. Je trouve ça le fun de tout de suite, ma troisième journée, de m'intégrer là, au sein de la communauté d'André-Laurendeau, de voir les joueurs, de rencontrer tout le monde qui travaille justement pour nos équipes sportives. Donc,
trouve que c'est une belle communauté, puis j'ai hâte de t'en faire partie encore plus. Et comment tu trouves ça de succéder à une grande dame du cégep, André-Laurendeau, une pionnière du cégep, comme Lynn? Je ne mentirais pas que c'est stressant. On n'arrête pas de me dire « Lynn a fait la job de 3 personnes, tu vas voir, c'est pas facile. » Donc, je dirais que la pression est très élevée, mais je suis contente d'avoir un bon 2 mois avec Lynn, justement, pour apprendre un maximum d'elle, puis essayer de me rendre aussi à faire la job de 3 personnes comme Lynn. J'imagine que tu as hâte ou tu as envie là, de gagner des championnats avec les équipes. Ben oui, moi, c'est sûr, j'ai quand même un bon passé de compétition sportive. Okay. J'ai fait plusieurs sports, fait que la compétition, gagner, c'est important pour moi, mais ça me dit aussi, là, mais c'est sûr que voir André-Laurendeau gagner, aller se pousser au point qu'ils peuvent, je vais vouloir soutenir ça et les encourager là-dedans. Là. Bon, ben, bienvenue, félicitations à vous deux, et puis on se souhaite une victoire aujourd'hui pour le boomerang. Oui, merci. Merci, voilà, bye. Donc on se retrouve en deuxième période dans environ 3 minutes. Restez là. Nous sommes de retour pour le début de cette deuxième période entre les Patriotes du cégep de Saint-Laurent et le boomerang du cégep André-Laurendeau. Je vous rappelle la marque 3-1, le boomerang qui mène et le mot d'ordre là, au cours de la deuxième période pour le boomerang. Eh bien, ce sera de continuer à maintenir l'attaque, de créer des bons jeux offensifs, de bien protéger la zone défensive également, ce sera une tâche importante là, du côté de la troupe d'Alexandre Dardenneau. Du côté des Patriotes du cégep de Saint-Laurent, c'est simple, ce sera d'éviter le bas des pénalités là, qui a coûté la période aux Patriotes. Oui, le boomerang qui a pu là, profiter de ses avantages numériques pour se donner du rythme offensif et trouver le moyen de marquer des buts à des moments importants. Et j'ai bien hâte de suivre la suite de cette rencontre. Et c'est parti pour cette deuxième période de dégagement des Patriotes à l'autre bout. Et c'est récupéré là, oui, tir au but pour la première période, pour le boomerang 14, pour les Patriotes 10. Alors 14-10, les tirs en faveur là, du boomerang Giguère qui va dégager à l'autre bout. Ça sera récupéré par Barbeau et qui a laissé dans le coin. Thomasin qui récupère pour Plante à Giguère dans le coin. Et finalement, c'est les Patriotes là, qui parviennent à dégager à l'autre bout. Et c'est un dégagement refusé contre la troupe là, de Tim Archambault et ça n'ira pas plus loin. Avec 19-26 à jouer dans cette deuxième période.
Le boomerang qui mène 3-1. Les enjeux là gagnés par les Patriotes. Rondel qui se retrouve le long de la rampe. Ça revient vers Hébert qui va dégager à l'autre bout. Et c'est refusé encore une fois contre Saint-Laurent qui ne parvient pas à se donner du rythme depuis le début de la rencontre. Mise en jeu à la gauche là, des Patriotes et les Pats qui ont pu remporter la rondelle. Et, ils vont y aller d'un dégagement. Ça sera récupéré par Prévost. Prévost qui prend son temps, pose la rondelle en territoire central. Finalement, ça revient vers Séguin. Bataille pour le disque. Et finalement, c'est récupéré là, par Trudeau. Trudeau à Huot. Huot qui va s'amener à l'attaque. Huot s'amène de l'autre côté. La passe à Laramé. Et finalement, là, ça revient vers Bachand. Et le boomerang qui tente une attaque, ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est Gagné qui va s'amener à l'attaque là, avec Binette, notamment la passe devant qui a été interceptée, bien coupée par Laramé en repli défensif. Et c'est Bachand qui a la rondelle. Bachand, une passe. Ça devient un dégagement qui sera refusé. Contre la troupe d'Alexandre Dardenneau. Avec 18 minutes, 18 secondes à jouer à cette deuxième période. Mise en jeu là, qui sera jouée à la gauche du gardien de but Émile Lessandre. Mise en jeu là, gagnée par les Patriotes. Et là, on s'installe là, avec Miraldo. Miraldo, la passe devant. Ça a été bien coupé par Bachand qui renvoie à Kouzam. Kouzam, un petit lob. Ça revient vers Laramé qui va s'amener à l'attaque. Attention, Laramé s'amène, contour Jacob. S'amène devant le filet. Un tir et c'est le but! Quel bon but! Simon Laramé, encore une fois lui. Simon qui montre son talent là, depuis le début de la saison. Et quel beau but de Simon Laramé qui a déculotté le défenseur. Deux fois, les deux défenseurs qui se sont fait battre là, par Simon Laramé. La soirée de Barbeau est terminée. Et Eve Gascon qui est envoyé dans la mêlée pour la suite de la rencontre pour les Patriotes. Rien ne va plus du côté des Pats. Le but du boomerang a été compté par le numéro 9, Simon Laramé. Avec l'aide du numéro 11, Justin Kouzam. Le temps du but, 1 minute 59 secondes. Laramé de Kouzam à 1:59. Alors, changement de gardien de but pour les Patriotes. Maintenant devant le filet, le numéro 31, Eve Gascon. Alors, Eve Gascon qui est maintenant devant la cage des Patriotes. Le boomerang qui mène 4-1 grâce à Simon Laramé, son 15e but de la saison déjà. Quelle saison incroyable il connaît, Simon Laramé. 29 points en 22 matchs si on calcule les points de ce soir. Et il a une passe, donc il atteint le plateau des 30 points déjà. Les Patriotes qui parviennent à dégager, c'est récupéré toutefois par Prévost pour Senneville qui a raté son tir. Ça revient vers Vachon, une passe à l'embouchure du filet. Fauché qui va d'un tir, ça a été bloqué par Gascon. Ça revient vers Laurent maintenant, une passe devant lui. Lombardo qui a été frappé. Et dégagement des Pats. Hébert maintenant qui a la rondelle. Et Fauché qui va s'amener à l'attaque maintenant. Fauché s'amène, prend son temps. Fauché. Il va d'une passe devant le filet. Ça a été repoussé par Gascon. Ça revient à la ligne de Ringuette. Prévost qui est là. Prévost prend son temps. Laisse à sa gauche un tir de Trudeau qui est raté, bloqué par les Patriotes qui réussissent à dégager à l'autre bout. Et ça sera Prévost qui a la rondelle maintenant. Prévost prend son temps. Prévost pour Trudeau. Une passe de l'autre côté. Et là, il y a eu un coup là, qui a été donné par Hébert en territoire central. Un coup de genou.
Et le boomerang qui ira en avantage numérique. Alors là, du côté des Patriotes, depuis la première seconde de ce match, c'est de l'indiscipline pure de la part de la troupe de Tim Archambault. Et la mise en jeu à la gauche d'Ève Gascon. Avantage numérique de 4 minutes pour le boomerang. Et là, le boomerang qui choisit de faire la mise en jeu à la droite de Ève Gascon. Gagnon contre-plante à la mise en jeu. Mise en jeu gagnée là, par le boomerang. Là. Gigard qui a la rondelle, la passe devant. L'impulsion au Patriote au numéro 22. Michael Hébert, 4 minutes pour avoir donné du genou. Le temps d'impulsion, 3 minutes 30 secondes. Hébert, 4 minutes pour avoir donné du genou à 3:30. Gagnon qui y va d'un dégagement, c'est récupéré par Bachand. Et cette fois-ci, c'est Giguère qui a la rondelle maintenant. Giguère va s'amener à l'attaque. Giguère s'amène avec vitesse, applique les freins. Oh, chute en manœuvrant avec la rondelle. Là, et le disque qui est retourné dans le territoire d'André-Laurendeau sur la palette de Deveau pour Plante à Deveau qui n'a pas pu réceptionner la rondelle. Un dégagement bloqué par Giguère à la ligne bleue. Et là, les Patriotes qui récupèrent la rondelle. Interception de Giguère, toutefois, qui va s'amener à l'attaque. Giguère s'amène, attention. Giguère se fait trébucher. Il y aura pénalité pour les Pats. Un tir qui a été bloqué. Ça provenait de Deveau. Ça revient vers Thomasin à la ligne bleue maintenant. Bachand qui est là. Bachand prend son temps. Une passe à Laramé pour Plante. Et là, le boomerang qui s'installe là, avec Thomasin. Une passe qui est coupée par Gagnon. Et le boomerang aura un double avantage numérique pendant 2 minutes. Antoine Gagnon qui est chassé pour avoir fait trébucher. Le boomerang qui mène déjà 4-1 dans ce match. Et là, on voit on voit que ça va mal là, du côté des Patriotes. Les joueurs sont... On le voit au banc, là, ils ne semblent pas être motivés. Et là, Alexandre Dardenneau qui demande son temps d'arrêt. Va sortir le tableau avec le crayon, les X et les O. Temps d'arrêt, boomerang. Que le match va reprendre à la suite de ce temps d'arrêt. Le boomerang est en avantage numérique. Alexandre Dardenneau qui a sorti le tableau avec les X et les O. Double avantage numérique pour le boomerang. Kouzam, Huot, Arsenault, Prévost et Laramé sont sur la patinoire. Et là, c'est remporté là, par les Patriotes qui vont dégager. Et c'est bloqué par Laramé, pardon. Au Patriote, au numéro 88, Antoine Gagnon. 2 minutes pour avoir fait trébucher. Le temps de punition, 4 minutes, 40 secondes. Gagnon pour avoir fait trébucher à 4:40. Laramé la passe à Prévost, à Laramé maintenant. Laramé qui va d'un tir, ça a été bloqué, ça revient devant le filet. Et Huat qui a renvoyé pour Prévost à Laramé. Pour Arsenault, la passe derrière le filet, ça revient vers Arsenault maintenant. Laramé, une passe, permutation avec Kouzam qui tire, ça a été bloqué. Et ça va être le dégagement là, des Patriotes bloqués là, le long de la rampe. Beau travail du boomerang, mais malheureusement, les Pats qui ont pu saisir la rondelle pour un dégagement à l'autre bout. Et il va rester là 1 minute 10 à la deuxième pénalité des Pats. Je vous rappelle la première qui était 4 minutes pour avoir donné un coup de genou. Là. Huot qui a la rondelle maintenant, la passe dans l'enclave, là c'est Huot. Avec Arsenault et Laramé. Laramé maintenant qui va d'un tir. Ça rate le filet. Ça revient vers Arsenault pour Kouzam. Kouzam, la passe à l'embouchure du filet. Ça revient vers Prévost. Prévost qui prend son temps à Arsenault. Arsenault, la passe à Laramé. Un tir, ça a été bloqué. Ça revient vers Arsenault. Arsenault, la passe à Laramé qui prend son temps derrière le filet. Prévost pour Laramé. À Prévost, une feinte devant. Un tir. Oh, quel arrêt!
Ça revient devant Laramé maintenant, Caldis. Qui va d'un tir? Ça a été bloqué par le joueur des Patriotes. Ça revient vers Prévost. Permutation avec Arsenault. La passe à Laramé pour Prévost. Prévost à Laramé qui tire. Ça rate le filet. Ça revient vers Jacob. Et bataille pour le disque. Ça revient à Prévost maintenant. Prévost qui s'amène. Un tir de Prévost. Ça rate le filet. Rondelle qui rebondit le long de la baie vitrée. Et ça revient vers Kouzam. Et là, c'est Deveau qui s'amène à l'attaque. Deveau, la passe à Giguère. Une passe avant haut! Et le filet qui a été déplacé. Et quelle séquence à l'attaque du côté d'André-Laurendeau qui domine ce match depuis la première seconde. Les Patriotes qui n'ont pas du tout de rythme depuis le début de la partie, qui ne parviennent pas à créer du rythme, étant donné l'indiscipline. La mise en jeu qui s'est jouée à la droite d'Ève Gascon. C'est remporté là, par le boomerang. Maintenant, 5 contre 4. Là, Giguère la passe devant. De l'autre côté, c'est Bachand qui a le 10. Bachand prend son temps. Est bousculé dans le coin. Ça revient là, vers Thomasin qui s'amène au cercle. Thomasin, une feinte. Un tir qui a été bloqué. Ça revient vers Giguère. Et là, il y aura une pénalité contre le boomerang. Et je crois que c'est Bachand, oui. Bachand qui sera chassé pour avoir accroché. Et donc, ça sera 4 contre 4 pendant 35 secondes. Et par la suite, s'il n'y a pas de but, c'est la suite de l'avantage numérique. C'est l'avantage numérique en fait pour les Patriotes. Mise en jeu qui a été gagnée là, par le boomerang. C'est Guy qui a le disque. La punition au boomerang au numéro 8, Loïc Bachand. 2 minutes pour avoir retenu le temps de punition. 6 minutes 56 secondes. Bachand pour avoir retenu à 6:56. Et là, c'est les Patriotes qui s'amènent à l'attaque. Là. Miraldo, une passe en direction là, de son coéquipier. Ça a été intercepté par Giguère qui va s'amener en contre-attaque. Là. Giguère s'amène. Giguère, il va d'une feinte, applique les freins, une passe interceptée, ça revient toutefois vers Guy. Guy qui tente un tir, ça a été bloqué par le gardien et pas de retour. Le boomerang qui a pu s'amener là, en contre-attaque avec une séquence et par la suite Guy qui était en fin de présence a décoché un tir depuis la ligne bleue et F. Gascon qui a gobé la rondelle en l'attrapant. Mise en jeu à la gauche là, de Gascon, qui a été remporté par Lombardo, qui a laissé le disque derrière lui pour Turgeon. Et là, le boomerang, les Patriotes, pardon, qui vont s'amener à la ligne rouge, bien bloqué par le boomerang. Un dégagement. Et là, c'est Prévost qui a le disque. Un dégagement à l'autre bout. Alors qu'il va rester maintenant 1 minute. À l'avantage numérique des Patriotes, Turgeon qui a la rondelle. Turgeon prend son temps, une passe d'avant et c'est Lombardo qui a le disque. Et il a laissé pour son capitaine Séguin. Séguin qui renvoie de l'autre côté. C'est Turgeon qui a le disque. Turgeon à Séguin. Séguin. Séguin prend son temps, s'amène. Et bien surveillé là, par Trudeau. Et là, ça sera récupéré par Lavallée-Gravel. Lavallée-Gravel, bataille pour la rondelle. Là, sont quelques joueurs à y être. Et finalement, ça revient vers Hébert. Hébert qui prend son temps. Une passe transversale en direction de Lombardo. Lombardo, une passe vers Séguin. Et un jeu qui a été coupé là, le long par Prévost. Ça revient vers Séguin. Séguin derrière le filet maintenant. Retour à 5 contre 5. Turgeon qui a la rondelle. Une passe vers Lombardo. Devant le filet. Un tir d'Hébert qui a été bloqué. Retour récupéré par Hébert. Non, et le boomerang qui récupère le disque avec Senville qui va s'amener contre le défenseur Laurent. 2 contre 1, la passe à Vachon qui tire. Et ça a été bloqué par la gardienne de but, Ève Gascon. Et pas de retour. Avec 10:48 à jouer à cette deuxième période, période médiane assez intéressante. Et un match là qui est nettement en faveur du boomerang. Mise en jeu à la gauche d'Ève Gascon.
Fauché qui est au cercle pour le boomerang. Contre gagné. Ça a été remporté par Fauché. Bachand maintenant qui a laissé le disque le long de la rampe à Fauché pour Senneville. Là, et ça a été intercepté toutefois. Et Miraldo qui va s'amener en contre-attaque. Miraldo la passe à Gagnon. Gagnon qui est plaqué le long de la rampe. Ça revient à la ligne bleue. Un tir de Laurent qui a été dévié sur un patin. Ça revient vers Miraldo. Miraldo qui est bloqué par Deveau. Rondelle qui se retrouve à la ligne de ringuette. Un tir qui a été bien bloqué par le gardien. Senneville maintenant qui va d'une passe en territoire central. Et ça sera Fauché qui va s'amener à l'attaque pour Bachand à Fauché. Et finalement, là, les Patriotes qui parviennent à contre-attaquer. Une passe vers le filet qui n'a pas trouvé un joueur. Là. Et là, c'est Bachand qui a le disque. Laisse l'arrière pour Deveau à Bachand. Bachand, le long de la rampe, Gagné qui est là. Hanfield avec Gagné. Gagné qui s'amène. Gagné prend son temps, il va d'une feinte. Est bien surveillé par Huot. C'est récupéré par Gagnon. Une passe devant, un tir qui a été bloqué. Et en même temps, là, il y a eu le filet qui a quitté sa position initiale. Et ça n'ira pas plus loin avec 9:34 à jouer à cette période médiane. Le boomerang qui mène 4-1. Mise en jeu à la gauche de Lessard et aussitôt Rondelle qui s'est retrouvée là, au cercle. Ça revient à la ligne bleue. Un dégagement à l'autre bout. C'est récupéré par Haché. Haché pour Hanfield qui n'a pas pu réceptionner la rondelle. Là, et celle-ci s'est retrouvée dans le territoire des Patriotes. Et on s'installe là pour une sortie de territoire du côté des Pats. Hébert qui rentre en territoire adverse. C'est fait soutirer le disque par Laramé qui va s'amener en tension 2 contre 1 avec Kouzam. Kouzam à la rondelle. La passe à Laramé. Laramé applique les freins, prend son temps. La passe devant. Personne n'y était. C'est récupéré par Gay. Gay maintenant tente de rejoindre Laramé. Ça n'a pas fonctionné. C'est récupéré par Haché qui va laisser le disque derrière à la cage de Gascon. Et ça sera Séguin qui aura la rondelle pour Binette. Binette qui prend son temps. Binette vers son coéquipier, là, c'est Hanfield qui va dégager. Et ça sera refusé contre Saint-Laurent. Et finalement, oui, donc c'est un dégagement refusé. Non, même pas. Mise en jeu qui sera jouée au centre. Giguère au cercle. Il a remporté le disque. Là, c'est Trudeau qui va lober de l'autre côté. Et ça sera refusé contre le boomerang. Et donc, le jeu va retourner dans le territoire d'André-Laurendeau avec 8 minutes 30 secondes à jouer à cette deuxième période. Le boomerang qui mène 4-1. Les enjeux là, qui ont été gagnés par les Patriotes et aussitôt un tir qui provenait de la ligne bleue. Ça a été bloqué. C'est Marcon qui a la rondelle. C'est fait soutirer le disque. Et là, c'est Prévost qui a la rondelle. Prévost prend son temps. Prévost prend son temps là, derrière son filet. Et bien surveillé là, par Marcon et Prévost qui ne veut pas prendre de risque. Prévost va laisser la rondelle le long de la rampe. Ça sera récupéré là, par les Pats avec Burnet qui est là. Et finalement, ça revient à la ligne bleue. Binette pour son partenaire. Un tir qui a été bloqué par Plante. Ça revient toutefois vers les Pats là, qui tentent d'attaquer avec Miraldo notamment qui est là. Finalement, c'est intercepté là, par Thomasin. Une passe. Attention, Plante va s'amener devant le gardien. Plante rate le filet. Et Rondelle qui va retourner dans le territoire d'André-Laurendeau. Course pour le disque gagné par Lessard, qui a laissé le disque derrière son filet. Et ce sera Bachand qui a la rondelle maintenant. Bachand, une passe en direction de Arsenault. Arsenault qui applique les freins pour Giguère. Arsenault
Arsenault à la ligne bleue maintenant. Deveau qui est là à Bachand. Bachand, un tir qui a été dévié et la rondelle s'est retrouvée à l'extérieur de la patinoire avec exactement 7 minutes 5 jouées dans cette deuxième période. Qui est beaucoup plus, qui est plus équilibré que la première. Et là, c'est la bataille pour la rondelle. Finalement, c'est récupéré par Turgeon. Turgeon qui a le disque. Turgeon une passe en direction de Ducharme. C'est intercepté par Deveau. Deveau du revers à Ferland qui va dégager à l'autre bout. Et ça sera récupéré là, par Gascon derrière le filet. Et le boomerang là, qui bataille pour le disque le long de la rampe. Et Ferland qui est là, Lavallée-Gravel également, Ducharme qui est là aussi avec Gagnon. Finalement, le boomerang qui a pu récupérer le disque. Bachand qui envoie la rondelle vers la cage adverse. Et Lessard qui va, pas Lessard, mais Gascon plutôt, qui va poser la mitaine sur la rondelle. Et ça n'ira pas plus loin avec 6 minutes 26 à jouer à cette deuxième période. Le boomerang qui mène 4 à 1. Boomerang qui a manqué quelques occasions de marquer, mais quand même. Les enjeux gagnés là, par le boomerang. Haché qui laisse pour Senneville derrière le filet maintenant. Vachon qui est là. Vachon prend son temps. Du revers en direction de Senneville. Vachon qui a été bousculé un peu là, avec... Il y a eu un dur contact avec un adversaire. Finalement, rondelle qui se retrouve à la ligne bleue là, des Patriotes. Un dégagement de McKenna. C'est récupéré par Raphaël Gay. Gay, le long de la rampe, ça devient une interception. Et les Patriotes là, qui vont tenter de s'installer avec Jacob. Une passe interceptée par Senneville qui rentre à l'attaque. Senneville qui va d'un tir voilé qui a été bloqué par Gascon. Et ça n'ira pas plus loin avec 5:48 à jouer à cette deuxième période. Je pense qu'Alexandre Dardenneau est satisfait de la rencontre de son équipe. Le boomerang qui a mis les Patriotes dans les câbles dès le début de la rencontre. Et là, l'indiscipline là, qui fait mal aux Patriotes qui ne sont pas en mesure vraiment là, de... d'avoir confiance sur la patinoire ou du moins de se donner du rythme. Le boomerang qui a nettement le momentum depuis la première période. Là. Alors que Kouzam a laissé la rondelle en territoire central. Huot qui est là, une passe en direction de Kouzam qui s'amène à l'attaque. Kouzam prend son temps. Kouzam laisse pour Trudeau. Finalement, Trudeau va renvoyer du revers en direction de Laramie qui contourne. Laramie au cercle maintenant, prend son temps, une passe vers Huot. Non, Laramie a toujours gardé la rondelle. Belle manœuvre, mais interceptée toutefois par Séguin, qui laisse la rondelle en territoire central. Et c'est Lombardo qui a la rondelle. Une passe là, à la ligne bleue. Turgeon pour Laurent, une passe vers Séguin, qui s'amène à l'attaque. Une passe à Lombardo qui a raté son lancer. Et là, Laurent qui envoie la rondelle à la ligne bleue. Hébert qui est là, une passe devant le filet. Lombardo qui a le disque. En direction là, de Hébert pour Laurent à Hébert. Hébert à Séguin. Une passe à Hébert, bien bloqué. Un tir sur réception là, bloqué par le bouclier de Lessard un peu plus tôt. Et là, rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Kouzam qui est là. Mais c'est les Patriotes qui ont pu gagner la rondelle. Là, avec les Pats là, qui maintiennent l'attaque. Hébert qui va d'un tir et c'est le but! Un tir faible d'Hébert du revers. Et les Patriotes qui parviennent à réduire l'avance de 2 buts. Et le boomerang là, qui était débordé dans son propre territoire. Les Patriotes qui se sont donné un peu plus de rythme, qui ont été incisifs devant la cage adverse. Et là maintenant, c'est 4 à 2 avec 4 minutes 18 à jouer. À cette deuxième période. Le premier des Patriotes a été compté par le numéro 22, Michael Hébert, avec l'aide du numéro 8, Adriano Lombardo, et du numéro 9, Olivier Binette. Alors, le temps du but, 15 minutes 42 secondes.
Hébert de Binette et Lombardo à 15-42. Là, aussitôt, là, c'est la contre-attaque du boomerang. Giguère qui est là. Il va nous faire un tir et ça a été capté par Eve Gascon. Et là, il y aura une mise en jeu dans le territoire des Patriotes avec 3-48 à jouer en deuxième période. La Vallée Gravel au cercle contre Ducharme. C'est remporté par Ducharme. Et aussitôt, le boomerang qui a pu saisir la rondelle. Et c'était un tir d'Arsenault qui a été bloqué. Ça revient à la ligne bleue. Gay maintenant qui a la rondelle. Gay prend son temps. Gay s'amène au filet. Un tir bas qui a été bloqué. Un retour haut! Personne n'a pu saisir la rondelle. Qui se retrouve maintenant à la ligne bleue. Et c'est Ferland qui va y aller d'un lob. Récupéré par Binette qui laisse le disque dans le coin pour Ducharme. Bataille gagnée toutefois par le boomerang. Une passe à la ligne de raguette. Un tir de Gay qui a été bloqué. Et pas de retour. Alors, un bon travail là, du côté d'André-Laurendeau à maintenir l'attaque. Et Eve Gascon qui était alerte pour bloquer la rondelle. Et le boomerang qui n'a pas pu saisir cette rondelle libre-là. Une belle séquence à l'attaque, là. Avec 3 minutes 20 à jouer dans cette deuxième période. Mise en jeu gagnée là, par Séguin. Et rondelle qui se retrouve derrière le filet, c'est Turgeon qui envoie le disque pour son capitaine. Séguin à Laurent. Laurent, une passe en territoire central. C'est intercepté par Bachand pour Thomasin à Giguère. Giguère qui tente de contourner Laurent. Giguère toujours en contrôle du disque. La passe en direction de Deveau, mais celui-ci a décidé de ne pas appuyer l'attaque. Sage décision qui a permis là, justement aux Patriotes de dégager. Et là, c'est un hors-jeu en entrée de territoire entre Séguin, Laurent et Hébert, et ça n'ira pas plus loin. Alors, le jeu va se passer à la ligne bleue. Les enjeux gagnés par le boomerang. Prévost pour Trudeau. Trudeau. Une passe bloquée et là, c'est récupéré par Marcon qui n'a pas pu saisir le disque là, avec Prévost. Marcon qui a récupéré toutefois. Et jeu qui a été bloqué par Fauché pour Senneville maintenant. Senneville qui va s'amener à l'attaque. Senneville prend son temps, contourne. Une passe en direction de Fauché et une chance ratée là ici. Ça revient à la ligne bleue. Trudeau qui n'a pas pu réceptionner la rondelle. Il a plongé un deuxième effort pour renvoyer le disque en territoire de Saint-Laurent. Et là, rondelle qui se retrouve le long de la rampe, récupérée par Prévost. Prévost qui s'amène à l'attaque. Prévost, une passe en direction de Vachon qui n'a pas pu compléter le jeu. Et là, c'est le dégagement à l'autre bout qui ne sera pas refusé puisque les Patriotes ont gagné cette course pour la rondelle. Et rondelle qui se retrouve le long de la rampe là, et c'est le dégagement du boomerang. Binette qui a renvoyé vers son coéquipier en défense et Hanfield avec Binette là. Une longue passe en direction de Ducharme qui a laissé pour Gagnon. Gagnon qui va d'un tir, ça touche l'extérieur du filet. Finalement, ça revient à la ligne bleue et l'arbitre a sifflé l'arrêt du jeu puisque le filet a quitté sa position initiale. Et ça n'ira pas plus loin avec 90 secondes à jouer à cette deuxième période. Le boomerang qui mène 4-2. Mise en jeu à la droite de Lessard. C'est remporté là, par le boomerang et c'est haché pour Gay. Gay prend son temps. Il va d'un lob à l'autre bout. Et ça devient un dégagement refusé. 1-20 à jouer à la période médiane. Le boomerang là qui domine largement cette rencontre. Alexandre Bordeneau se doit d'être satisfait de cette rencontre-ci. Et du côté de Tim Archambault, eh bien, il va souhaiter que son équipe puisse continuer sur le même rythme qu'il a donné le deuxième but à son équipe. Essayer de construire sur des éléments positifs de ce match.
Séguin maintenant qui a la rondelle. Séguin prend son temps. Une passe derrière le filet. Là, finalement, on s'installe dans un tir d'Hébert qui a raté. C'est Séguin maintenant qui a la rondelle. Séguin, une passe devant, déviée par Lombardo qui se fut raté. Ça revient vers Binette. Binette, une passe à l'embouchure du filet. Une chance en or ratée par Hébert. Et c'est récupéré par Lombardo. Lombardo qui va d'un tir bas. Ça a été bloqué. Un retour devant qui a été raté. Rondelle qui se retrouve à l'embouchure du filet. Lombardo qui prend son temps. Fin de tirer. Passe derrière le filet. Hébert qui est là. Une passe devant. Un tir raté par Séguin. Une passe interceptée par Gay qui va dégager à l'autre bout. Et ça sera touché par Eve Gascon. Pardon. Et les Pats là, qui vont d'une contre-attaque avec Lombardo. Lombardo qui tire et c'est bloqué. Et pas de retour. Et là, début de bousculade. Ferland qui n'a pas aimé la présence d'Hébert devant son gardien. Et Hébert là, qui retourne à son banc avec 18 secondes et 9 dixièmes à jouer à la deuxième période de ce match. Le boomerang en avance, 4 à 2. Ducharme contre Fauché à la mise en jeu. Contre Lavallée-Gravel plutôt. Et là, c'est un tir qui rate le filet. Ça revient vers Ferland qui laisse le long de la rampe. Une passe devant. Miraldo pour Ducharme. À la ligne de ringuette, un tir de Laurent qui rate le filet. Et c'est ce qui mettra un terme à cette deuxième période. Le boomerang en avance, 4 à 2. Alors, si on fait un court sommaire de cette période, c'est simple. En 1:59, Simon Laramé qui va inscrire son 15e but de la saison sur une passe de Justin Cousam à 1:59. Et finalement, en 15:42, Michael Hébert qui va marquer son 14e but de la saison sur des passes d'Olivier Binette et de Gianni Lombardo. Donc, la marque après 40 minutes de jeu. Boomerang 4, Patriote 2. Les tirs au but au cours de la deuxième période. Plein Boomerang 15, point total de 29. Plein Patriote 7, point total de 17.
Nous sommes de retour pour le début de cette troisième période de ce match entre les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent et le Boomerang du Cégep André-Laurendeau qui mène 4-2 dans cette partie. Et ce qui a fait surtout mal aux Patriotes, les pénalités. Quatre pénalités en première période, ce qui a fait en sorte que les Pats ont perdu du rythme. Et par la suite, il y a eu d'autres pénalités là en deuxième période. Donc, vraiment un match rempli d'indiscipline là, du côté de la troupe de Tim Archambault. Et c'est parti pour cette troisième période. Séguin qui a la rondelle et qui s'amène de l'autre côté. Séguin est surveillé le long de la rampe là, avec Haché. Finalement, c'est le dégagement des Pats récupéré par Gay pour Plante. Plante un lob en territoire central, en territoire adverse pour Thomasin qui a vu sa rondelle interceptée par Lombardo. Lombardo qui prend son temps avec Turgeon. Turgeon, une passe en territoire central. Et finalement, là, on s'amène à l'attaque là, du côté des Pats. C'était le numéro 66, là, McKenna, qui est entré en hors-jeu. Et sur cette même séquence, il y a eu une pénalité d'appeler contre le Boomerang. Émile Plante qui sera chassé pour avoir retenu. Et donc, les Patriotes qui iront en avantage numérique. Les Patriotes qui n'ont pas marqué en avantage numérique depuis le début de la rencontre. Mise en jeu, là, gagnée par le Boomerang. Senneville qui a le disque. Senneville va laisser le long de la rampe. Ça revient vers Séguin. Et finalement, Séguin qui a la rondelle. Une passe dans l'enclave. Un tir depuis la ligne bleue. Et là, finalement, c'est Ducharme qui pose la rondelle en territoire central. Hébert qui est là. Turgeon aussi. Turgeon qui laisse vers Hébert. Hébert qui prend son temps. Hébert, ça mène en territoire central, en territoire du Boomerang maintenant. Hébert dans le coin, il laisse à la ligne de ringuette. Lombardo pour Séguin. Séguin, une passe à Turgeon qui voit son tir être bloqué par Lessard. Ça revient vers Turgeon. Et finalement, le Boomerang qui parvient à dégager. Et il va rester exactement une minute à la pénalité. D'Émile Plante. Lombardo qui est bien surveillé le long de la rampe de sorte que la rondelle s'en va dans le fond du territoire du Boomerang. Prévost qui va dégager et c'est récupéré par Séguin à la ligne rouge. Séguin revient sur ses pas, prend son temps. Séguin qui laisse vers Gagnon. Gagnon pour Miraldo, une passe dans l'enclave. Ça revient vers Séguin, surveillé par la vallée Gravel. Il renvoie le disque en direction de la ligne bleue, mais la rondelle est sortie. C'est Jacob qui a la rondelle pour Gagnon. Et là, les Patriotes qui ont été chanceux, là, il aurait pu avoir une pénalité pour trop de joueurs. Laurent qui s'amène à l'attaque. Laurent s'amène, est bien surveillé. Et là, il y aura une pénalité contre le Boomerang pour avoir accroché. Et donc, 5-3 pour les Patriotes. Avec 20 secondes restantes à la première pénalité. Le Boomerang qui devra se débrouiller avec deux hommes en moins. Là, c'est le moment important là, du côté pour les Patriotes là, d'appuyer l'attaque, de se donner du rythme. Mise en jeu à la droite de Lessard. Ducharme contre Giguère. Mise en jeu gagnée par Giguère et aussitôt dégagement à l'autre bout de Raphaël Gay. Et il va rester là. Xavier Trudeau, 2 minutes pour avoir accroché. Le temps de pénalisation, 2 minutes 13 secondes. Trudeau pour avoir accroché à 2-13. Et là, maintenant, c'est les Patriotes qui ont la rondelle là, avec Séguin. Séguin pour Laurent. Laurent prend son temps en territoire central. Xavier Laurent rentre en territoire adverse avec Ducharme. Une passe de l'autre côté. Là, c'est Lombardo qui est là, surveillé par Haché dans le coin. Lombardo qui est là. Finalement, ça revient vers Laurent. Laurent qui prend son temps. Une passe vers son coéquipier, là, Hébert. Hébert qui va d'un tir. Ça rate le filet. Ça revient vers Séguin à la ligne bleue pour Laurent à Hébert. Il va rester une minute à la pénalité. Un tir d'Hébert qui a été bloqué par Lessard. Ça revient vers
Lombardeau hébert à Lombardeau. Un tir de Lombardeau, ça touche l'extérieur du filet. Et là, finalement, la rondelle qui est sortie. Et c'est Laurent qui a la rondelle. Laurent prend son temps avec Hébert. Hébert, une passe à la ligne de Ringuette. Là, c'est Lombardeau qui est là. À Séguin. Séguin au cercle. Il va de tir. Ça rate complètement le filet. Senneville va dégager à la ligne bleue. C'est récupéré par Jacob. Jacob à Séguin. Un tir frappé qui rate le filet encore une fois. Ça revient vers Hébert. À Jacob. À Hébert. Hébert prend son temps. Hébert. Il va d'un tir. Ça rate le filet. Et rondelle qui est sortie de la surface glacée. Il s'en ira pas plus loin. L'assistance au match de ce soir, 275 spectateurs. Les joueurs et le personnel du Boomerang vous remercient et vous invitent à leur prochain match local, dimanche, le 9 janvier 2022, à compter de 18h30, alors que les Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent sera l'équipe visiteur. Alors, qu'on vient d'annoncer la foule, là, 275 spectateurs ce soir et... Déjà, le dernier match à domicile pour le Boomerang avant Noël. Alors que les Pats tentaient de s'installer, c'est Prévost qui leur a arraché la rondelle. Et dangereusement, là, c'est Miraldo qui a envoyé le disque vers le filet adverse. Les Dragons du Collège La Flèche qui mènent contre les Nordiques de Lionel Gros. Et 3-3 entre Sorel et Thetford d'ailleurs dans le circuit collégial ce soir. Turgeon qui a la rondelle maintenant. Turgeon y va d'un tir. Ça a été bloqué. Rondelle qui est sortie. Et là, c'est la fin de l'avantage numérique là, des Patriotes. On est de retour à 5 contre 5 avec 15-44 à jouer à la troisième période. Gagné contre Laramie à la mise en jeu. C'est remporté par Gagné. Là, Jacob qui va dégager. C'est récupéré par Gué toutefois qui a perdu la rondelle. Un tir de Miraldo, ça rate le filet. Et Mekena dans sa chute n'a pas pu saisir la rondelle. Qui se retrouve là sur la palette de Jacob dans son territoire. Un dégagement à l'autre bout. C'est récupéré par Isaac Deveau. Deveau qui prend son temps. Laisse derrière lui. Là, c'est Haché qui a la rondelle. Haché. Voilà, sa rondelle a été interceptée par Mekena. Il y aura hors-jeu contre les Patriotes. Et ça n'ira pas plus loin. Avec 15 minutes 16 à jouer. À la troisième période. Il y a le jeu qui reprend la Bachand qui a le disque. Bachand pour Deveau qui va d'un long lob. Là, c'est récupéré par Mekena et course pour la rondelle. Et là, il y a eu mise en échec dans le coin. Et là, les échauffourées qui sont commencées. Et rapidement, les juges de ligne sont intervenus là. Là, il y aura une pénalité, je crois, puisque l'arbitre avait levé le bras. Il y aura une pénalité. Je pense que non. Il n'y aura pas de pénalité. Et Tim Archambault n'est pas d'accord avec la décision de l'officiel. Là. Les Patriotes qui jugent qu'il aurait dû avoir une pénalité sur cette séquence. Et on est furieux là, du côté des Patriotes. Et là, l'entraîneur adjoint là, qui est furieux. Là. Et je pense que l'arbitre lui a donné un avertissement. Bref, le jeu qui reprend 5 contre 5. Rondelle qui se retrouve là, dans le coin. Dulude qui a le 10. La passe devant le filet pour la coursière, c'est raté. Ça revient vers Dulude. Dulude qui a le 10. Et le Boomerang qui a pu gagner la rondelle avec Huot pour Kouzam. Finalement, c'est Jacob qui saisit la rondelle, laisse la rondelle là, dans le coin. Et là, c'est Lacourcière qui a la rondelle. Et là, Ducharme qui est pris avec un joueur du Boomerang. Là.
Et là, il y aura pénalité. Kouzam qui était là avec du charme. Et là, les Patriotes qui jouent de frustration, là. Je me demande quelles seront les sanctions. Kouzam est chassé. Et là, Ducharme également. Donc, des rudesses de chaque côté. Alors, on voit là, du jeu robuste. C'est... C'est la régularité entre ces deux formations, une grande rivalité. Plante contre Séguin. Allez, mise en jeu, ça a été remporté par Plante. La Trudeau qui va dégager. À l'autre bout, ça devient un tir capté par Ève Gascon. Au Patriote, au numéro 17, Xavier Ducharme. Au Boomerang, au numéro 11, Justin Kouzam. 2 minutes chacun pour Rudess. Temps d'ébullition, 5 minutes 22 secondes. Ducharme et Kouzam pour Rudess à 5-22. Et là, c'est Binette qui dégage à l'autre bout. Et ça ne sera pas refusé. La rondelle qui a ralenti, c'est Trudeau qui a le disque. Trudeau prend son temps, la passe à Prévost. Prévost qui va s'amener à l'attaque. Une passe à sa droite pour Plante. Plante qui s'amène. Plante pour Prévost qui applique les freins. Prévost à la ligne bleue pour Thomasin. Une passe au cercle. Giguère devant le filet. Plante qui rate son tir. Oh! Sur un retour, il a pu tenter un tir qui a été bloqué. Giguère qui a raté sa passe à la suite d'un tir bloqué. Là. Et c'est Lombardo qui s'amène à l'attaque. Lombardo s'amène. Une feinte. Un tir et c'est bloqué par Émile Lessard. Super barret contre le numéro 8 des Patriotes. Là. Et l'attaque qui se poursuit. Un tir de Jacob qui rate le filet. Ça revient vers Turgeon. Turgeon qui a la rondelle. Une passe pour son coéquipier. Un tir dévié. Et, ça a été bloqué par Lessard. Alors, une bonne séquence à l'attaque là, du côté des Patriotes. Et une bonne circulation de rondelles. Turgeon, notamment, qui était là. Lombardo. Simon Jacob également. Et par la suite, là, Émile Lessard qui ferme la porte. Et là, c'est les Patriotes là, qui s'installent à l'attaque. Binette qui a la rondelle. Binette, une passe. Personne n'y était. Ça revient à la ligne de Ringuette là, avec Jacob. Arsenault qui est là également. Finalement, ça se poursuit dans le coin. Une passe devant dans l'enclave et un tir bloqué cette fois-ci là, aux dépens du numéro 79, Mathias Charlet, qui était posté devant la cage d'Émile Lessard. Quatre à deux, toujours la marque, le boomerang qui mène contre les Patriotes. Mise en jeu à la gauche d'Émile Lessard. Et c'est le boomerang qui a la rondelle avec Arsenault qui a laissé en territoire central. C'est revenu par la suite dans le territoire lassalois. Et c'est Bachand, pardon, qui a la rondelle. Bachand voit sa rondelle être bloquée. Ça revient vers Bachand. Toutefois, une passe à Arsenault du revers qui tente de rejoindre un coéquipier. Mais c'est bien bloqué par Jacob qui va dégager à l'autre bout. Et c'est Debeau qui va laisser à la ligne bleue. Un beau jeu bloqué, là. C'est récupéré devant le filet et... C'est Deveau qui va laisser pour Ferland, qui pose la rondelle derrière les défenses adverses. Arsenault qui course pour la rondelle, a remporté le disque. Arsenault tente une passe transversale vers Deveau, qui est allé d'un tir bloqué, qui fut bloqué, pardon. Et rondelle qui retourne dans le territoire du boomerang. Revirement, attention, Charlet qui s'amène à l'attaque. Charlet va d'un tir, bien bloqué par Lessard. Et rondelle qui est récupérée par Deveau. Les Patriotes qui ont pu récupérer la rondelle toutefois, et c'est le but! Une mauvaise séquence en défensive là, du boomerang. Et les Patriotes qui réduisent l'écart maintenant à un but. C'est 4 à 3. Avec environ 12 minutes à jouer au troisième tiers de ce match. Les Patriotes qui n'ont pas dit leur dernier mot dans ce match. C'est 4 à 3. Et là, le boomerang va devoir trouver le moyen là, de pouvoir se redonner du rythme.
les dernières minutes là, qui ont été largement en faveur de Saint-Laurent. Le but des Patriotes était compté sans aide par le numéro 19, Michael Gagné. Le temps du but, 7 minutes 49 secondes. Gagné sans aide à 7:49. Et là, c'est intercepté par Kouzam, qui a la rondelle maintenant. Kouzam s'amène à l'attaque, prend son temps, une passe à Trudeau, qui est allé d'un tir, ça a été bloqué, un retour d'avant! Personne n'y était du côté d'André-Laurendeau. Un tir qui touche le poteau! Un tir de la ramée! Et c'est récupéré par Laramé encore une fois. À Prévost qui s'amène à l'attaque. Prévost est bien surveillé. A toujours possession de la rondelle. Prévost prend son temps. Attire un couvreur. L'envoie vers Laramé qui s'amène à l'attaque pour Gay. Gay, une passe à Kouzam qui contourne le filet. Qui tente de rejoindre un coéquipier. Il récupère le disque toutefois. Ça revient à la ligne bleue. Prévost à Kouzam. Passe interceptée par Gagnon qui est allé d'une longue passe là. On s'amène à l'attaque et beau repli défensif de Prévost. Et il y aura une pénalité pour avoir accroché. Et dans les circonstances, c'est quand même une bonne pénalité là, de Prévost qui a pu bloquer cette échappée des Patriotes. Mais encore là, le boomerang qui va devoir se débrouiller à court d'un homme. Le boomerang qui n'a absolument rien donné en avantage numérique des Patriotes. Depuis le début du match. Et là, c'est un moment clé dans ce match-là. 4-3, boomerang, les Pats qui ont du rythme depuis les dernières minutes. La pression pour boomerang, numéro 24, Julien Prévost. Alors que les Pats sont la rondelle, là. Une passe à Séguin. De l'autre côté, c'est bloqué. Prévost, et la vallée Gravel qui va dégager à l'autre bout. Avec 1-40, l'avantage numérique des Patriotes. 10 minutes 45 à jouer à cette troisième période. Les Patriotes qui s'amènent, là, attention. Un jeu qui se transporte derrière le filet. Séguin qui a la rondelle. Il y a eu une bonne mise en échec dans le coin, là. Ça revient vers Turgeon pour Séguin. Séguin qui prend son temps à Turgeon qui va d'un tir. Ça fut raté. Et là, la rondelle qui est restée coincée sur le filet. D'Émile Lessard, et ça n'ira pas plus loin avec 1-14 à jouer à la troisième, à l'avantage numérique, pardon, de Saint-Laurent. 10-25 à jouer à la troisième période du boomerang de ce match. Le boomerang en avance, 4-3. Mise en jeu à la droite d'Émile Lessard. Arsenault qui est au cercle contre le boomerang, il remporte la rondelle, là. Et ça revient vers Deveau qui y va d'un dégagement bloqué par Séguin le long de la rampe. Ça revient vers Lombardo. Lombardo à la ligne bleue pour Séguin. À sa gauche pour Laurent. À Séguin. À Lombardo. À Laurent, pardon. Et on s'installe un tir qui a été bloqué. Ça provenait d'Hébert. Rondelle qui revient vers Hébert encore une fois. Hébert est très dangereux aujourd'hui. Hébert prend son temps derrière le filet maintenant. On s'installe là, du côté de Saint-Laurent. Séguin, Laurent qui rate le... Son filet, Séguin devant le filet. La passe devant! Quelle chance en or! Un tir qui est bloqué devant. C'est récupéré par Séguin qui tente un tir et capté par Émile Lessard qui dit non et qui refuse de concéder à l'avantage numérique de Saint-Laurent à qui il va rester 35 secondes. Et beau travail là, de Saint-Laurent, notamment avec Lombardo, Laurent, Séguin. Qui ont tenté une attaque massive et Émile Lessard là, qui refuse de céder à l'adversaire. Gagné qui a la rondelle maintenant. Gagné prend son temps et bien surveillé par Vachon. Gagné applique les freins toutefois. Laisse pour son coéquipier Jacob une passe. Là. On s'amène à l'attaque. Miraldo un tir. Oh! Oh! Et c'est le but! L'égalité est créée! Mais que s'est-il passé sur cette séquence? Rondelle là qui était... coincé derrière Émile Lessard et qui est rentré dans son filet. Et là, maintenant, c'est 4-4. Nous avons droit à un nouveau match. Les Patriotes qui n'ont pas dit leur dernier mot. Avec 9-28 à jouer à cette troisième période. Et là, les joueurs du boom, les partisans du boomerang qui font du bruit là, pour encourager leur équipe. Quelle ambiance aujourd'hui. On se croirait en séries éliminatoires. Christopher Miraldo
avec l'aide du numéro 11, Simon Jacob, et du numéro 26, Thomas Turgeon. Le temps du but, 10 minutes 32 secondes. But compté en avantage. Fondel qui se retrouve le long de la rampe. La Dulude, d'une passe devant vers la coursière qui s'amène un tir qui rate le filet. Ça revient vers Prévost. Prévost qui va d'un petit lob. C'est bloqué devant le bas du boomerang. Là, Prévost qui tente de gagner la rondelle. Finalement, ça revient vers Trudeau. Trudeau qui prend son temps. Trudeau. Une passe vers Thomasin qui laisse la rondelle pour Plante qui va s'amener à l'attaque. Attention, Plante tente de rejoindre Giguère. Voilà, c'est fait. Giguère au cercle prend son temps, trébuche. Et il y aura une pénalité contre Saint-Laurent. Le boomerang ira en avantage numérique. Et là, c'est un moment important dans ce match. Est-ce que le boomerang pourra tourner le vent de son côté pour le restant de la troisième période? Ça reste à suivre. Quel moment important dans ce match. L'avantage numérique du boomerang avec 8-32 à jouer en troisième période. Ce match est loin d'être terminé. Wow! Mise en jeu là, qui a été gagnée par Arsenault. Ça revient à la ligne bleue. Laramie maintenant qui laisse pour Prévost. Prévost qui s'amène. Une passe dans le coin. Ça revient vers Kouzam à la ligne bleue pour Laramie. Une passe à Prévost. Et là, on entend la foule. Là. Prévost qui a la rondelle. Prévost prend son temps. Prévost à Laramie derrière le filet maintenant. Et finalement, c'est intercepté par Séguin qui va dégager à l'autre bout. Avec 1:35 à l'avantage numérique du boomerang. 8 minutes 5 secondes à jouer à la troisième période de ce match. C'est 4-4 entre les deux formations, là. Alors que c'est Arsenault qui va s'amener à l'attaque avec Huat. Est bien bloqué à la ligne bleue. Ça revient vers Prévost qui évite le hors-jeu. Laisse la rondelle pour Arsenault qui s'amène à l'attaque. Attention, Arsenault. La passe à Prévost. Prévost à la ligne bleue. Maintenant, Laramie qui a la rondelle. Une passe. Où ça retire de Huat qui a été bloqué. Ça revient vers Huat toutefois. Huat qui a la rondelle. La passe à la ligne bleue pour Prévost. Attention, là. Prévost qui a la rondelle avec Arsenault. À Prévost pour Laramie. Laramie à Prévost. Prévost. Prend son temps. Une passe. Personne n'y était. Et ça devient un dégagement des Patriotes. Avec 7-25 à jouer à la troisième période. Prévost qui a la rondelle. Une passe en direction de Laramie. Voilà, c'est fait. Laramie qui va s'amener. Et bien surveillé. Laisse la rondelle toutefois derrière lui pour Deveau qui appuie l'attaque. Deveau laisse la rondelle derrière. Jacob qui parvient à dégager. C'est bloqué toutefois par Laramie qui va laisser la rondelle en territoire adverse. Et ça revient là vers Laramie. Laramie qui prend son temps. Attire un couvreur devant lui. Laramie. Toujours en possession de la rondelle. Une passe transversale en direction de Bachand. Un tir de Bachand qui a été bloqué. Et un dégagement des Patriotes récupéré toutefois là, par Laramie. Et l'attaque se poursuit là, du côté d'André-Laurendeau. Plante, il va d'un tir, c'est bloqué. Le retour d'avant. Est-ce qu'il y aura un but? Non. C'est bloqué et immobilisé par Eve Gascon. Wow. Le boomerang qui tente tout en avantage numérique au cours de la dernière minute. Le boomerang qui veut marquer un but. Mise en jeu offensive là, pour le boomerang. Thomasin contre Séguin. Giguère, pardon, qui est au cercle. Le boomerang qui veut marquer un but. Et là, aussitôt, le jeu qui a repris rondelle qui s'est retrouvé là, vers Eve Gascon qui l'a gobé. Il reste 8 secondes à l'avantage numérique du boomerang. Les enjeux là, gagnés par le boomerang. La Plante qui va d'un tir, c'est dévié à l'extérieur. C'est récupéré par Deveau. Non, intercepté par Séguin qui va s'amener à l'attaque. Séguin s'amène seul. Un tir du revers et stoppé par Émile Lessard. Pas de retour. Et la foule du boomerang là, qui fait du bruit ce soir. L'impression d'être en séries éliminatoires aujourd'hui. Beaucoup d'ambiance ici. Mise en jeu à la gauche d'Émile Lessard. Et c'est remporté là, par Plante qui a laissé vers ses coéquipiers. Giguère, une longue passe. Personne n'y était. C'est récupéré par Laurent.
Et Marcon là, qui va s'amener à l'attaque. Marcon s'amène, une passe vers Charlet. Charlet tente un tir et bonsoir, la rondelle est partie à l'extérieur de la patinoire. Et ça n'ira pas plus loin. 4 à 4 avec 6 minutes 11 à jouer en troisième période. Je vous rappelle, un peu plus tôt dans ce match, c'était 4 à 1 André-Laurendeau. Et là, le boomerang là, qui voudra remporter la victoire ce soir devant ses nombreux partisans. Et c'est remporté là, par Plante et Haché qui a la rondelle. Haché prend son temps. Haché une passe en direction de Gay. Gay vers Plante pour Giguère. Thomasin qui va s'amener à l'attaque. Là. Attention, Thomasin perd possession du disque, récupère toutefois. Thomasin, il va d'une petite passe en direction de Plante. Ça revient vers Prévost. Prévost à Gay. Gay prend son temps, une passe en direction de Thomasin et ça a été bloqué. C'est récupéré par Marcon qui s'amène à l'attaque. Marcon bien surveillé toutefois par les joueurs du boomerang et c'est bloqué là par Plante. Beau travail du capitaine et aussitôt contre-attaque là avec Giguère. Giguère qui s'amène une feinte. Et bien surveillé toutefois. Giguère là qui est bien surveillé. Rondelle qui revient vers Fauché qui laisse le disque à Giguère. Et ça va revenir là, vers Charlet pour ses coéquipiers. Là, Binette qui est là notamment. Binette prend son temps alors qu'il va rester 5 minutes à jouer à la troisième période. 4 à 4 ce match. Quel match de hockey incroyable aujourd'hui ici là, du côté de l'Arena Gadebois et Senneville qui pousse la rondelle dans le coin. Le boomerang qui tente de gagner possession et aussitôt là, c'est une contre-attaque ratée là, du côté des Pats. C'est récupéré par Prévost le long de la rampe pour Senneville à Fauché. Fauché qui prend son temps. Bataille pour le disque avec Trudeau. Et finalement, là, c'est récupéré par le boomerang qui parvient à sortir la rondelle de son territoire. Contre-attaque, l'attention de Laurent. Laurent, il va d'un tir bas et ça a été bloqué par Émile Lessard. Émile Lessard là, qui connaît un très bon match, surtout en troisième période. Et Vachon qui avait chuté là, devant nous et il est en mesure de se relever. Il va retourner au banc. Mise en jeu à la gauche du boomerang, du gardien de but, du boomerang, pardon, Émile Lessard. Là, Vachon qui semble être mal en point. Mise en jeu à la gauche d'Émile Lessard. La Vallée Gravel qui remporte le disque. Et c'est récupéré toutefois par Turgeon. Derrière le filet maintenant, une passe interceptée par le boomerang. Et c'est la contre-attaque d'Arsenault. Arsenault qui va s'amener. Arsenault laisse la rondelle derrière le gardien de but adverse. Et finalement, ça revient vers Deveau. Une passe en direction de la Vallée Gravel. Turgeon qui touche au disque. Séguin maintenant qui va dégager. Et ça sera récupéré par Bachand pour Arsenault. À Deveau, à Bachand. Et le boomerang là, qui tente de sortir la rondelle. Voilà, c'est fait. Ferland qui est accroché. Et il n'y a pas de pénalité. Le boomerang qui a le disque toutefois là, avec Deveau. Qui laisse pour Bachand. Bachand à Deveau. Avec 3 minutes 30 à jouer. À la troisième période de ce match. Bachand, quel disque là. Bachand laisse en territoire central. Finalement, ça devient un dégagement. Récupéré par Deveau. Deveau qui a battu là, le couvreur des pattes. Deveau qui dégage à l'autre bout. Ça sera récupéré par Kouzam dans le coin. Bataille gagnée toutefois par les Patriotes. Dégagement bloqué par Deveau qui va d'un tir. C'est bloqué devant. Ça revient vers Deveau. Deveau, une passe vers Kouzam. Intercepté toutefois et récupéré par Deveau. Et là, c'est Guy qui a la rondelle, qui va dégager à l'autre bout. Et ce sera Jacob qui a la rondelle, le long de la rampe. Là. Et un dégagement des Patriotes. Et ça sera refusé. Les Patriotes sont furieux, là. Et là, est-ce qu'il y aura une pénalité? L'arbitre a le bras levé. Et je me demande qu'est-ce qui se passe. Pas de pénalité.
Bon, ce n'était pas un dégagement refusé. Bon, mise en jeu en territoire central. Giguère qui remporte la mise en jeu, le gay qui a le disque. L'envoie devant lui. Là, ça sera récupéré par McKenna. Rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Et là, c'est Charlet qui a la rondelle. Charlet l'envoie de l'autre côté. Et là, ça va être Miraldo qui laisse la rondelle dans le coin. Un match très physique aujourd'hui. La Turgeon qui a la rondelle. C'est fait tirer le disque par Giguère qui va s'amener à l'attaque avec Plante. Plante s'amène. Plante. Il va d'un tir bas. Ça a été bloqué. Récupéré par Giguère. La passe devant. Oh! Thomasin n'a pas pu concrétiser. Un tir de Prévost qui rate le filet. Ça revient vers Trudeau. Trudeau. Une longue passe en direction de Plante derrière le filet. Plante prend son temps. Plante est bien surveillé. Avec le disque. Laisse derrière pour Giguère et c'est récupéré là par Trudeau dans le coin. Trudeau, une passe à Giguère. Giguère, la passe, ça va être le but! Philippe Thomasin! Et c'est 5 à 4! Incroyable fin de match! Ma parole! Wow! Et la foule du boomerang qui est debout. Philippe Thomasin qui marque. C'est 5 à 4. Wow! Et là, Tim Archambault vient de demander son temps d'arrêt. Alors, quelle sera la fin de ce match? Le boomerang qui mène 5 à 4 avec 1:48 à la troisième période. Un match incroyable ici, là, du côté du centre Gadebois. Alors que les Patriotes s'amènent à l'attaque là, avec Lombardo. Il a été compté par le numéro 22, Philippe Thomasin. Avec l'aide du numéro 20, Alexis Giguère. Et du numéro 15, Xavier Trudeau. Alors, le temps du but, 18 minutes, 12 secondes. Alors que les Patriotes sont à l'attaque, là, un tir qui est bloqué. Rondelle qui se retrouve dans le coin alors qu'il va rester 1:15 à jouer. Il n'y a pas de gardien là du côté des Patriotes. Dégagement du boomerang à l'autre bout, ça sera accepté. Et c'est récupéré par Laurent avec Ferland derrière le filet. Et finalement, là, c'est les Patriotes qui ont la rondelle avec Hébert. Hébert qui prend son temps alors que c'est la dernière minute de jeu de cette troisième période. La foule qui se fait entendre là du côté du centre Gadebois. Rondelle qui se retrouve le long de la bande. C'est récupéré par Séguin. Séguin qui a la rondelle maintenant. Séguin la passe avant. Un tir qui a été bloqué. Ça revient vers Séguin. La passe, il s'est bloqué. Le boomerang qui tente de sortir la rondelle. C'est récupéré par Turgeon. Un tir qui est bloqué par l'essence. Ça revient vers Lombardo. Un dégagement du boomerang à l'autre bout. Ça rate la cible. Alors qu'il va rester 27 secondes à jouer. Et Tim Archambault qui demande son deuxième temps d'arrêt. Thank you.
Alors, quelle sera la fin de match? Il reste 27 secondes au cadran. Est-ce que le boomerang remportera la victoire? La Vallée Gravel au cercle contre Hébert. C'est remporté par les Patriotes. Hébert qui a la rondelle à la ligne bleue maintenant. Séguin qui a le disque. Séguin prend son temps pour Laurent. À Hébert pour Miraldo. Non, un tir qui est bloqué! Incroyable tir bloqué de Michael! La Vallée Gravel! Qui d'autre? La Vallée Gravel qui a bloqué ce tir d'une façon phénoménale avec son postérieur. Incroyable! Et là, mise en jeu encore une fois à la droite d'Émile Lessard. La foule est debout ici du côté du centre Gadebois avec 14 secondes à jouer. 6 contre 5. Giguère au cercle pour le boomerang. C'est remporté par les Patriotes. Laurent, quel disque. Laurent pour Séguin. Un tir, ça rate le filet. Ça revient vers Plante. Il reste 5 secondes. 3 secondes. Et voilà! Le boomerang qui remporte la victoire par la marque de 5 à 4 devant une foule bruyante. Le numéro 22, Michael Hébert. La deuxième étoile du boomerang, le numéro 31, Émile Lessard. Et la première étoile du boomerang, le numéro 22, Philippe Thomassin. Une victoire du boomerang par la marque de 5 à 4. Merci tout le monde d'avoir été là et à la prochaine.